Мы открываем второй день конференции докладом Кристофа Паяра. Участники Вайтеровского чтения прекрасно знают господина Паяра. Он член научного совета полного собрания сочинений Вольтера, но сегодня он выступает не столько в этом качестве, сколько как член научного комитета, который организовывал реставрацию Фернейского замка. Мы помним, что Фернейский замок был открыт после нескольких лет реставрации 31 мая этого года президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Кроме того, Кристоф Паяр – автор туристического гида по Фернейскому замку, который опубликован французским министерством культуры. Merci, Madame Sferanskaya. Et bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Comme vient de le dire Madame Sferanskaya aujourd'hui, je n'interviens pas aujourd'hui en qualité d'éditeur de Voltaire, des œuvres peut-être de Voltaire, ni de spécialiste de Vallière, mais de personne qui a été associée à la restauration du château et du château de Voltaire inauguré par le président Macron. Et une chose toute bête, vous voyez qu'il a une couleur rose. Pourquoi le château a-t-il aujourd'hui une couleur rose alors qu'il était blanc auparavant? Nous allons essayer de répondre à cette question. Alors je vous prie de bien vouloir excuser d'avoir dû modifier le titre de cette contribution en raison du temps imparti. Elle se rapporte au château de Ferney qui vient de rouvrir ses portes après 3 ans de travaux et près de 9 millions d'euros de budget de restauration. Je traiterai ici de deux domestiques, deux serviteurs de Voltaire qui sont importants pour comprendre les rapports de Voltaire avec Catherine II, ou si l'on préfère, de Ferney avec Saint-Pétersbourg. Il s'agit bien sûr de Jean-Louis Vanière, le premier et principal secrétaire de Voltaire pendant près de 24 ans. Le voici. Mais il s'agit surtout d'un personnage absolument inconnu des études voltairiennes, Jean-François Morand. Jean-François Morand qui est l'auteur d'une maquette conservée au château de l'Herbeau, au musée de l'Ermitage, qui a inspiré vraiment scientifiquement la restauration du château de Ferney entre 2015 et 2018. Et sans cette maquette de Morand, nous ne pourrions visiter le château tel qu'il est aujourd'hui. Je vous invite à le visiter. Alors, cette contribution vise à saluer et à remercier les institutions culturelles russes, la Bibliothèque nationale et le musée de l'Ermitage, sans lesquels, en France, au centre des monuments nationaux, nous n'aurions jamais pu procéder aussi scientifiquement. Et en guise de retour de bon procédé, pour remercier la Russie, je tiens à vous fournir, à vous livrer, des informations inédites sur cette maquette et sur son auteur, Jean-François Morand. Nous ne savions pas que Jean-François Morand a accompagné Vanière, Jean-Louis Vanière, en 1779, pour installer bibliothèque et maquette. Je ne parlerai pas ici de Vanière, sauf pour évoquer Morand. Qu'il suffise de dire que né en 1739 et mort en 1802, il entra au service de Voltaire alors qu'il avait à peine 15 ans. Il fut son secrétaire pendant 24 ans et il le servit pendant 24 années supplémentaires
par la rédaction de mémoires biographiques qui passent, je cite, pour être une des sources les plus fiables de la biographie de Voltaire. Ces mémoires biographiques furent éditées en 1826 par Jacques-Joseph-Marie Decroix, rédacteur de l'édition de Kiel, qui les réécrivit en profondeur, quitte à faire dire à Decroix, à Vanière le contraire de ce que celui-ci avait écrit. Ce fait est important. Ces supercheries de Decroix ont empêché la recherche de procéder à la correcte identification de l'auteur de la maquette. Plutôt que de recourir à l'édition de Jacques-Joseph-Marie Decroix, nous devons étudier les autographes de Vanière présents à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Odessa, à Paris, à Genève et à Londres. Rappelons en outre que Vanière n'était pas que le secrétaire de Voltaire, il était également son bibliothécaire attitré, son bibliothécaire, raison pour laquelle Catherine II le recruta pour venir en Russie installer ses livres. Fait significatif, la chambre de Vanière au château de Ferney était située en dessous de la bibliothèque et Vanière était le seul homme avec Voltaire à avoir un accès direct à la bibliothèque. Voilà la chambre de Vanière, ici, et voilà la bibliothèque de Voltaire. Comme le temps est compté, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne présenterai que les résultats de la recherche sans en vous fournir les preuves. Ce sera chose faite dans les actes du colloque. Qu'il suffise ici de dire que Morin jouait un double rôle au château de Ferney. Il était le cocher de Voltaire et aussi le valet de chambre de Madame Denis. Cette dualité de fonction étant rendue possible par le fait que Voltaire, vivant reclus, pour ainsi dire, dans le château de Ferney, sortant peu du château, n'avait pas besoin d'un cocher à plein temps et ce cocher pouvait par conséquent compléter son service auprès de Madame Denis. La correspondance de Bestermann attribue à Morand le prénom de Pierre. Son justifie cette attribution, mais c'est totalement faux. Morand s'appelait Jean-François Morand. Et comme on pouvait le désigner tantôt par son prénom, Jean-François, et tantôt par son nom, Morand, les études voltairiennes ont confondu sont venues à distinguer deux personnes là où il n'y en a qu'une, c'est-à-dire le prétendu Pierre Morand, cocher de Voltaire, le valet de chambre, et un non moins prétendu Jean-François, cocher, Jean étant ici considéré comme un prénom et François comme un nom. Decroix a contribué à embrouiller la situation là où Vanière n'évoque que le cocher de Voltaire. Decroix évoque le valet de chambre de Voltaire, fonction qui lui semblait apparemment plus digne. En vérité, le valet de chambre de Voltaire était une femme, Antoinette Barbara, dont j'avais prévu de vous parler, mais dont je ne peux vous parler en raison du temps imparti. Toujours est-il que Catherine II s'est dressée par l'architecte de Voltaire, Léonard Racle, les plans du château, dans lesquels... fit dresser par Vanière, par Léonard Racle, les plans du château de Voltaire, où la chambre du valet de chambre de
Madame Denis est désignée comme la chambre de Morvan. Alors, venons à l'essentiel, un témoignage de Vanière dit la chose suivante. Dans tous les autographes, il écrit que l'héritière de Monsieur de Voltaire, c'est-à-dire Madame Denis, l'héritière de Monsieur de Voltaire, n'ayant voulu accorder aucune récompense au domestique de son oncle, le cocher de celui-ci, qu'il avait servi 19 ans et qu'il avait soigné à son lit de mort, comme il l'avait pu, se trouva très à plaindre. Je le menais avec par commisération avec moi en Russie, et Sa Majesté impériale a eu la générosité de le gratifier de 500 écus. Ah, il s'agit bien de Morvan, qui a accompagné Vanière en Russie, qui a servi Voltaire 19 ans, soit précisément depuis son installation à Ferney. Il est très probable, même s'il n'est plus encore le prouver, que Morvan était issu du pays de Gex. Alors, Morvan, je dois abréger, désolé, Morvan a été la personne qui a assisté Voltaire lors de ses derniers jours et qui a recueilli les derniers mots de Voltaire le 30 mai 1778 à 23h15. Adieu, mon cher Morvan, je me meurs. Vanière commente, voici les dernières paroles qu'a prononcées Monsieur de Voltaire. Ce n'est donc pas un petit domestique que cet homme de confiance qui a accompagné les derniers moments de Voltaire. Il était alphabétisé, mais peu cultivé. C'était un homme loyal, doué d'un réel sens pratique. Il a daté et signé sa maquette, qui est d'une belle facture. Vous voyez ici, il est marqué « Fait au château de Ferney en l'année 1777 par Morvan ». C'est l'Ermitage, d'accord ? L'Ermitage fait au château de Ferney en l'année 1777 par Morvan. Cette maquette est aujourd'hui conservée au sein de la bibliothèque de Nicolas II, au sein de l'Ermitage. On en trouve une réplique dans la bibliothèque de Voltaire. Cette maquette, large de 1 mètre, de l'autre côté, 1 mètre, est à l'échelle 1/50. Elle se démonte comme une maison de poupée. Elle se démonte comme une maison de poupée, laissant apparaître vous voyez, là elle est démontée, laissant apparaître les aménagements intérieurs de chaque pièce. Même si l'étage noble, par excellence, le rez-de-chaussée que les Américains et les Russes nomment premier étage, est plus détaillé parce que c'est l'étage des maîtres. Elle fait preuve d'une très grande précision dans la représentation des détails de l'aménagement. Ici, vous avez au frontispice les armes de Voltaire et de Madame Denis. Ici, vous avez, désolé, les photographies sont photographies d'amateurs,
Vous avez les aménagements intérieurs. Ici, vous avez le faux poil qui figure dans le vestibule d'entrée, ressemblant à de la faïence de Delft. En certains cas, Morand indique par une étiquette la destination de chaque pièce. Chambre à coucher de Madame Denis. Nous avons pu étudier cette maquette il y a tout juste 5 ans au musée de l'Ermitage, le 31 octobre 2013. Elle a servi de manière décisive pour restaurer, rénover le château de Volder. François Chatillon, l'architecte en chef, qui est comme moi un Fernaisien, du château de Fernet, et moi-même sommes tombés d'accord sur 3 points décisifs. Premièrement, cette maquette n'est pas l'œuvre d'un architecte, mais d'un amateur talentueux qui n'idéalise pas le document, mais qui le décrit dans sa réalité. Deuxièmement, cette maquette est plus fidèle que ne le sont les plans de Léonard Racle, qui embellit le château pour faire valoir ses talents d'architecte auprès de la cour impériale de Russie. Et troisièmement, c'est essentiel, la plupart des détails de cette maquette sont corroborés, confirmés par d'autres documents. C'est ainsi que les tapisseries que présentes dans la maquette sont exactement de même motif et de même couleur que celles qui sont conservées au sein de la Bibliothèque nationale de Russie, puisque Catherine II a demandé des échantillons, et que par l'inventaire post-mortem. Voici, par exemple, un échantillon de la tapisserie de la chambre de Voltaire, conservée à la Bibliothèque nationale de Russie, dans la bibliothèque de Voltaire. Voici la représentation, mauvaise photographie, d'accord, de la maquette. Et voici encore la maquette de Morand. Vous voyez que c'est bien la même chose. Autre exemple, nous avons le salon d'assemblée de Madame Denis, le salon où Madame Denis accueillait une foule de personnes. Voici la maquette de Morand. Voici les échantillons conservés à la Bibliothèque nationale de Russie. Vous voyez que c'est la même chose. Et voici ce que nous avons pu produire aujourd'hui, depuis le 31 mai 2018. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Alors, apportons des précisions complémentaires. Tout d'abord, cette maquette semble avoir été réalisée par Morand lui-même et non à la demande de ses maîtres. En tout cas, cette maquette appartenait à Morand, c'était sa propriété, à tel point que quand Catherine II voulut réaliser un nouveau Fernet à Tsarskoye Selo, plus probablement dans le parc du palais d'Alexandre, elle a demandé d'acheter cette maquette et elle l'a payée, non pas à Madame Denis, mais à Morand. Ailleurs, cette maquette se trouvait à Paris en 1779. Alors, avant de vous exposer le rôle déterminant joué par cette maquette dans la restauration du château, précisons quelques points relatifs au voyage de Morand en Russie. Les livres de Fernet avaient partir de Genève, les livres de la bibliothèque de Fernet partir de Genève en mai 1778. La maquette de Morand partit quant à elle avec un buste de Houdon à la même date. Les deux convois se retrouvèrent à Francfort-sur-le-Main et Morand se rendit de Paris dans cette même ville. L'ensemble du convoi fut alors acheminé de Francfort par voie de terre jusqu'à Lübeck pour être acheminé par voie de mer jusqu'à Kronstadt, Catherine II ayant affrété un paquebot et un des meilleurs capitaines de sa flotte militaire, Nikolai Chounine, pour, comme le dit Catherine II, que la bibliothèque soit sur la mer et non dans la mer.
Le navire arriva à Kronstadt à la fin de juillet 1979. Alors, le catalogue de la bibliothèque de Voltaire, publié par Alexeïev et autres bibliothécaires en 1961, cite la relation d'un libraire allemand de la place de Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Johann Klostermann, qui rapporte avoir rencontré à l'ermitage deux étrangers lui demandant à qui il faut donner la bibliothèque de Voltaire. C'est assez drôle. C'est un peu comme si deux Russes arrivaient à Versailles et demandaient à qui faut-il remettre le collier de la reine. Bon. L'anecdote prête à rire, mais Klostermann précise que l'un des deux Français était Vanière, en fait suisse, et que l'autre était son cocher. Il s'agit donc de Morand. Il les oppose physiquement, présentant la seule description physique à ma connaissance de Morand. Vanière était petit et malingre, alors que Morand était grand et robuste. Gyugi, nous verrons Sergei Vlasov cet après-midi qui m'a expliqué. Gyugi Mojic. Selon Vanière, Catherine II fit présent à Morand de 500 écus, soit 1500 livres. Alors, nous disposons désormais de tous les éléments pour rectifier la présentation de la maquette dans la salle de l'Ermitage. Il s'agit bien de Jean-François Morand. Et pour compléter le catalogue de la bibliothèque de Voltaire, celui qui accompagnait Vanière était Jean-François Morand. Alors, on ne saurait assez souligner, et j'en aurai bientôt fini, l'importance de la maquette pour la restauration du château. Voici le château tel qu'il était avant la restauration. Façade blanche jusqu'en 1915. Après 1918, façade rose. Et ça, c'est la maquette de Morand qui nous a permis de restituer cette couleur. Vous voyez, la maquette est vraiment en teint très rose. Nous avons par ailleurs la toiture que nous connaissons. La toiture de la maquette est faite de beaucoup de cheminées. Nous n'avons pas restauré toutes ces cheminées, mais cela prouve le souci que Voltaire avait chauffer correctement les chambres de ses domestiques. Maintenant, nous avons la bibliothèque de Voltaire. Alors, la bibliothèque de Voltaire est représentée, comme vous le voyez, avec une grande précision par Morand. Comme les livres ont été cédés à Catherine II, il nous a été impossible, on a essayé de corrompre le président russe pour ramener la bibliothèque de Voltaire à Ferney, mais ça n'a pas été possible, malheureusement. Donc, nous avons tenté de reconstituer la bibliothèque par une projection sur les murs d'une représentation idéalisée d'une bibliothèque fantasmée du XVIIIe siècle. En m'appuyant sur la maquette, j'ai demandé au Centre des Monuments Nationaux de bien vouloir représenter non pas des reliures en maroquin rouge somptueusement ornées, mais des reliures simples et ordinaires dans le plus grand désordre. Je n'ai pas obtenu satisfaction. Toutefois, voilà encore la bibliothèque, vous voyez qu'elle est désordonnée par l'incessant va-et-vient des livres entre la bibliothèque de Voltaire et la chambre où il travaillait. Encore la bibliothèque. Toutefois, j'ai obtenu satisfaction puisque dans l'ancienne bibliothèque de Voltaire, nous avons une pendule, nous avons installé une pendule, une horloge, une horloge, cadran d'horloge, où vous voyez que les livres sont dans le plus parfait désordre, ce qui est parfaitement conforme à Voltaire, et qui n'était pas bibliophile et qui ne considérait pas le livre comme un objet de culte, mais comme un objet de travail. Surtout, nous voyons que la bibliothèque est organisée d'après un principe qui découle des lois de Newton, ou tout simplement du bon sens. In folio en bas, in quarto
et in octavo, in duodecimo au sommet. En certains cas, la maquette ne nous permet pas de préciser. Là, je voulais vous montrer aussi une chose, mais je n'ai pas le temps. J'ai fait un article pour montrer que les couleurs emblématiques de Voltaire sont le bleu et le jaune, azur et or, bleu et jaune, partout. Bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Personne ne l'avait remarqué, dans la maquette, c'est bleu et jaune. Mais peu importe. Ici, en certains cas, donc, les détails de la maquette, nous avons un portrait de femme dans la chambre de Voltaire, bleu, jaune, mais on ne sait pas si c'est le portrait de Madame du Châtelet, de Madame Denis ou de la mère de Voltaire. Impossible de le voir d'après les maquettes, d'après l'inventaire post-mortem, les trois choses sont possibles. Mais je ne sais pas du tout si c'est Madame du Châtelet, Madame Denis ou... on pourrait multiplier les exemples sans cette maquette précieusement conservée par les institutions culturelles de Russie, depuis Catherine II jusqu'à aujourd'hui, nous n'aurions vraiment pas pu conduire cette opération de restauration, et nous devons vraiment très sincèrement remercier l'ensemble des institutions culturelles de Russie. C'est grâce à elles que nous avons pu faire ce travail. Pour conclure, on saurait assez souligner l'importance de la connaissance du cercle domestique de Voltaire pour la compréhension de sa vie et de son œuvre. Ferney n'était pas le lieu habité par un esprit solitaire, mais un atelier du livre supposant la collaboration d'innombrables assistants. Loin de nous de prétendre que que Jean-François Morand fût un collaborateur intellectuel, il n'en avait pas l'envergure. Mais cet homme grand et robuste, capable de conduire un attelage de plusieurs chevaux et doué de doigts de fée, grande agilité, exécuta avec talent et, osons le dire, avec génie, ce modèle de Ferney, cette maquette du château. Bien sûr, vous pourrez préférer aborder Voltaire du côté noble et évoquer pour la énième fois Candide ou l'affaire Calas. Mais l'étude moins prisée, certes, des domestiques de Voltaire nous révèle une infinité de précision qui éclaire son œuvre et, en l'occurrence, la demeure qu'il a occupée pendant ces 20 dernières années. Ce n'est pas le moindre paradoxe que ce que nous savons avec précision du château de Ferney, nous le devons moins au maître des lieux lui-même, Voltaire, qu'à un humble et fidèle domestique, Jean-François Morand, cocher et valet de chambre. Merci. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, можем ли мы на полотнах Жана Гувера опознать Марана? Жанна Гувера, Марана. La réponse est la suivante, c'est que Hubert représente avec précision et de mémoire Voltaire, il le découpe en faisant autre chose, mais les autres personnages qui figurent dans les tableaux de Jean Hubert, Hubert Voltaire, sont imaginés.
ils ne sont pas réalistes. Seul Voltaire est la personne précisément représentée dans les tableaux de Huber. Et второй вопрос. Вы сказали, что три женщины могли быть изображены на портрете, который у Вольтера. Помните, вы сейчас кого именно ваш портрет поместили при реставрации? Nous avons mis le célèbre Voltaire Jean-Quentin de la Tour en cas d'incendie. La première chose qu'il faut enlever du château, c'est le portrait de Voltaire par Jean-Quentin de la Tour. Il y avait les sculptures de Voltaire et de Rousseau par Lambert avant la restauration du château de Farnay. Il y a ces sculptures après. Elles ont été rénovées, restaurées, mais elles sont en parfait état maintenant, mais elles sont toujours à l'entrée. Le nouveau guide touristique que j'ai fait, qui est compliqué, montre ces photos. Au vestibule, n'est-ce pas? Oui, au vestibule, absolument. Если можно, я тогда очень коротко скажу. Во-первых, что касается представления других лиц на картинах Гюбера, мне показалось, что это намеренно. После соревнований я принял подготовку визаж от Инсабля, особенно по правилам с этого года до Гюбера. Или не берет па, дэтро мемори. Une question, cette expression de Dieu, j'ai mangé, ça vient de. Il y avait quelqu'un qui se souvenait de cette visite en russe, ou bien c'est simplement une expression que. Klosterman, qui. Klosterman est en Dieu. C'est moi qui en russe. Klosterman est allemand, libraire. Je ne suis pas sûr qu'il est allemand. En allemand, il a dit ça. Il faut regarder le catalogue de la bibliothèque Voltaire, c'est ça, il est à peu près. Et donc, il y a un seul témoignage, et jusqu'à présent, on disait il y avait deux étrangers, et le secrétaire de Voltaire est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'est donc Jean-François Barthes. Там какая-то странная история с этими воспоминаниями о Костермана. Они по какой-то рукописи, где что-то пересказывают. Chambre de Moran, chambre à coucher du valet de chambre de Madame Denis. La chambre à coucher de Madame Denis, la chambre de ses servantes, et donc il n'y a pas communication entre la chambre de Morand et la chambre de Madame Denis. Par contre, il y a la chambre d'une femme qu'on a présentée. Oui, on voit pas. C'est Kovac. Kovac. Voilà. Une chambre à côté de la chambre de Voltaire. Elle communiquait. Et dans les plans de Léonard Racle, il est écrit chambre à coucher du valet de chambre de Monsieur de Voltaire. On ne pouvait pas dire auprès de la cour impériale de Russie que Voltaire dormait. Que Voltaire dormait à côté d'une femme. Excusez-moi. Спасибо. Закончили слушать доклад господина Бояре. Единственное, что я хотела бы мы должны сказать несколько слов в память о Ксавье Бане, реставраторе старинных шпицканий, который выполнял много международных проектов, в том числе в Белом доме, в Вашингтоне. Его последний большой проект был в реставрации вот этих тканей Фермерской замки, которые показывал Христос. Он приезжал работать с Сабрастаном у нас два раза. И внезапно скончался в Париже пару недель назад, в 2008 году. Мы до сих пор не слышали, а там приезжали.
Donc, Virginie enseigne à l'université Montpellier-3. Virginie преподает в университете Монпелье-3. Она опубликовала исследование о посмертном издании Священного Евангелия в кельтском издании и о перипетиях, связанных с ним. Вокруг него было много детективных историй. Будет сегодня рассказывать. Merci beaucoup Nathalia. Je remercie également notre collègue pour l'organisation de ce colloque et pour son invitation. Je vais donc revenir sur le travail de Lubensky aujourd'hui, aux origines du recueil Vorontsov, la transmission et la publication de la correspondance Voltaire d'Argental par les éditeurs de Kiel. Alors, en août 1778, les lettres écrites par Voltaire à ses chers anges et d'Argental sont l'objet d'une transaction inédite entre d'Argental et le libraire Pampoucu. Transaction menée par Jean-Baptiste Suard pour une somme de 4000 livres. Ces lettres subiront un traitement éditorial particulier dans l'édition de Kiel, réalisée par Beaumarchais et son équipe, entre 1779 et 1789. Vladimir Sergeyevitch Lubensky s'est attaché, dans le premier des deux volumes de nouveaux textes de la correspondance de Voltaire, premier volume publié en 1956 aux éditions de l'Académie des sciences de l'URSS, il s'est attaché donc à rétablir le texte original de 48 lettres qui ont fait l'objet de manipulations, de transformations de la part des premiers éditeurs posthumes des œuvres complètes de Voltaire. La tradition critique voltairienne a accusé les éditeurs de Kiel d'infidélité, de manipulation, de malhonnêteté. Quelles raisons, c'est la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, ont ainsi déterminé Condorcet et ses collaborateurs, engagés sous la direction commerciale de Beaumarchais et de la société littéraire typographique fondée pour l'occasion, quelles raisons donc ont poussé les éditeurs à intervenir de la sorte dans la lettre voltairienne? Dans cette contribution, j'aimerais donc revenir sur les enjeux et les modalités de la publication, de la première publication de la correspondance de Voltaire, afin de comprendre la nature et les raisons des interventions éditoriales réalisées sur ce corpus de lettres sélectionnées. Les documents d'archives, certains encore inédits, éclairent l'histoire du processus éditorial de la première publication de la correspondance de Voltaire. Et le travail philologique de Lubensky a mis en lumière les problématiques éditoriales inhérentes aux premières grandes éditions des œuvres complètes de Voltaire, ouvrant ainsi la voie aux grandes œuvres de Westermann que la Voltaire Foundation est en passe d'achever. Alors, premier point, tout d'abord, la collecte des lettres. Comment s'est effectuée la collecte des lettres dans la première phase de l'édition de l'histoire éditoriale de Pampoucu à Beaumarchais? C'est donc le libraire Charles-Joseph Pampoucu qui avait entrepris en 1777, en accord avec Voltaire, ce qui devait être la dernière grande édition des écrits du grand homme. Dès la mort de Voltaire, il s'occupe de récupérer, par des négociations avec Madame Denis, les manuscrits voltairiens restés à Ferney, ainsi que ceux que Voltaire avait emportés avec lui à Paris. Et parmi ces manuscrits, Pampoucu découvre des minutes d'importantes correspondances avec Choiseul, avec l'impératrice Catherine II, avec Frédéric de Prusse notamment,
et le libraire prend conscience du trésor que représente l'ensemble de la correspondance de Voltaire. Il entreprend alors des collectes systématiques auprès du réseau des correspondants de Voltaire, notamment grâce à des listes établies par Vanière, dont il rémunère les services. Et Pantoufle fait jouer également son propre réseau. Et dans cette première phase de collecte, la correspondance avec les d'Argental a très vite attiré son attention. Et en août 1778, il signe, en effet, un contrat avec Madame de Vimeux. Alors, c'est Georges Bingesco et à sa suite qui nous ont renseigné succinctement sur cette affaire, pour lesquels des documents viennent compléter maintenant. Donc, d'Argental aurait d'abord confié ses lettres à Pankouke avant de les reprendre pour en faire don à Madame de Vimeux. Madame de Vimeux, secrétaire et protégée, peut-être fille adoptive d'Argental. Quoi qu'il en soit, un contrat porte sur plusieurs centaines de lettres pour une somme totale de 4000 livres. Et additionné à la somme que Pankouke a déjà versée à Vanière en juin 1778, aux 20 000 livres qu'il a versés à Madame Denis, les frais d'acquisition des manuscrits dépassent largement la somme de 20 000 livres qu'il annonçait dans une lettre à l'un de ses confrères à qui il proposait une association. Alors, revenons au contrat pour la correspondance avec les d'Argental. La transcription du contrat pour les lettres de Voltaire permet de lire les conditions de sa cession. Voilà donc ce contrat dont une copie est conservée dans les archives de la Bodleian Library d'Oxford. Donc je ne vais pas tout lire, mais on lit donc que Madame de Vimeux, propriétaire de toutes les lettres originales de Monsieur de Voltaire à Monsieur le Comte d'Argental et quelques autres personnes, donc cède toutes les dites lettres pour en disposer comme bon lui en semblera, et elle remet à Monsieur Suard donc toutes les cartons où sont renfermées les dites lettres originales, afin que le dit sueur Suard, après en avoir fait lecture, les fasse transcrire et ou supprimer. On peut retenir cette indication qui déjà apparaît dans les pratiques de sélection, ce qui ne peut être livré à l'impression. La cession est faite moyennant la somme de 4000 livres, etc. Alors, c'est Jean-Baptiste Suard qui joue ici le rôle d'intermédiaire, peut-être s'est-il chargé de la négociation, c'est le beau-frère de Pankouke. Il collabore avec lui à la collecte des matériaux dans cette première phase de l'opération, collecte des matériaux et à leur préparation pendant l'édition entre l'été 1778 et le mois de février 1779. Alors, un autre document de reçu en forme de dépôt confirme donc le rôle joué par Suard qui accuse réception des documents et tout cela nous renseigne sur les méthodes de Pankouke, les précautions extrêmes qu'il prend autour de cette transaction, autour de cette correspondance. C'est son beau-frère, mais il reconnaît, reconnaît avoir entre mes mains 4 cartons contenant les lettres de M. de Voltaire, etc. Voilà, donc, sont précisées les opérations d'éventuelles sélections. Je suis chargée de les faire transcrire et d'en supprimer tout ce qui ne pourrait pas être donné à livrer à la pression. Et les originaux seraient garantis de ne pas prêter les originaux. Alors, voilà pour les premiers éléments de cette transaction. Pankouke commence à organiser son projet, tente de réaliser des associations, il rencontre des difficultés financières, mais surtout des difficultés face à la censure, qui constitue un obstacle à l'édition en France. Il tente de trouver des parades, de chercher des appuis auprès des têtes couronnées d'Europe favorables à Voltaire, notamment les monarques éclairés, que sont Frédéric de Prusse et Catherine II de Lucé. Alors, Pankouke écrit par exemple à Grimm, l'agent parisien de l'impératrice Catherine à Paris.
la superstition qui a poursuivi Monsieur de Voltaire jusqu'au tombeau s'armera de toutes ses fureurs pour s'opposer à l'exécution du dessin que j'ai formé. Si l'ouvrage pouvait se faire librement en France et sans le privilège du souverain, la grandeur de l'entreprise m'aurait permis de solliciter les secours du roi et j'aurais pu m'assurer d'avance d'un certain nombre de souscripteurs en France. Mais je ne puis pas même la proposer. L'ouvrage ne pourra y circuler que lorsqu'il sera tout imprimé. Le prospectus ne peut avoir lieu que chez l'étranger. Entre la fin de l'année 1778 et le début de l'année 1779, donc, on doit en tout se démener pour tenter de rassembler les capitaux nécessaires aux investissements que demande l'entreprise. Il hésite à poursuivre le projet, tente de s'associer avec des libraires étrangers, comme ici avec la société typographique de Neuchâtel, dans laquelle, dans cette lettre, dans laquelle il met l'accent à nouveau sur le trésor que représente la correspondance. Je n'ai point pris de résolution au sujet du Voltaire. C'est une très riche mine d'or dont l'exploitation est difficile. Je préférerais de vendre un manuscrit. Vous désiriez vous occuper de cet objet et vous associer avec Berne, Lausanne, etc. Vous gagneriez plusieurs millions. Toute l'Europe attend une nouvelle édition. Je vous donnerai les moyens de ne pas être contrefait. Le manuscrit me revient à 100 000 livres, je veux doubler mon argent et 500 exemplaires. Vous n'avez point d'idée de ce que j'ai acquis. J'ai tout réuni et il y a cette correspondance qui m'a coûté 2000 écus. Enfin, je m'obligerai à donner 20 volumes nouveaux. J'aimerais bien mieux vendre que de me déplacer, s'installer à l'étranger pour faire cette édition. Cependant, je le ferai si j'en trouve un bon prix. Alors, pendant ces négociations, ces tentatives, il n'en continue pas moins de donc les préparatifs de l'édition, faisant copier dans son atelier parisien, sous la direction de Vanière, peut-être, qu'il a fait venir à Paris, les correspondances qu'il a pu rassembler. Et lorsqu'il revend le projet à Beaumarchais, le 25 février 1779, la préparation des premiers manuscrits de la correspondance est entamée, mais inachevée. Le contrat signé avec Beaumarchais précise qu'en attendant le règlement de la transaction, les manuscrits seront conservés dans un coffre à double clé qui reste à l'hôtel de Toux, rue des Poitevins. Beaumarchais devra attendre le printemps 1783 pour accéder enfin au trésor, Pankouk ayant fait de nombreuses difficultés pour livrer la correspondance dont il sait qu'elle représente la partie la plus précieuse des manuscrits voltairiens. Alors voyons maintenant le traitement éditorial qui s'opère sous la direction de Beaumarchais et de Condorcet dans la deuxième phase des opérations sur ce corpus donc des lettres de Voltaire à d'Argental. Quelques documents de l'archive éditoriale éclairent en effet la préparation de cette correspondance. En juillet 1783, donc quelques mois après la remise des correspondances, Nicolas Ruot, un ancien libraire parisien recruté par Beaumarchais pour l'assister dans les opérations matérielles et littéraires du projet éditorial, Nicolas Ruot donc demande à De Croix, dont son collègue a parlé tout à l'heure, Jacques-Joseph-Marie De Croix, également collaborateur, initialement recruté par Pankouk, dont il est un compatriote lillois, mais qui reste au service de Beaumarchais pour faire l'intermédiaire entre Condorcet et Beaumarchais, avec Ruot au milieu. Donc De Croix et Ruot travaillent tous les deux en collaboration étroite avec Condorcet à l'établissement des textes, à la préparation du nouveau corpus éditorial. Donc Nicolas Ruot demande à De Croix, en juillet 1783, je vous crois occupé présentement de la correspondance de M. d'Argental. Y faites-vous de grands abattis ? En effet,
Rio s'occupe d'effectuer une première mise en ordre et une première sélection. Et il soumet ensuite l'ensemble à Condorcet à la fin du mois de septembre 1783 avec ce billet dont nous ne possédons qu'une copie partielle parce que c'est un document qui appartient à une collection particulière dont c'est un document qui est passé en vente récemment et nous avons pu avoir une copie partielle du document uniquement. Les lettres à Monsieur le Comte d'Argental sont au nombre de plus de 1200, tant lettres que billets. La plus grande partie roule sur des changements, des vers à retrancher, des variantes de pièces de théâtre, toutes choses dont on a fait usage depuis et qui ne peuvent être offertes au public telles qu'elles sont maintenant. Dont on a fait usage depuis, ça veut dire qu'on s'est servi des informations contenues dans les lettres pour établir le texte du théâtre, les textes de théâtre, pour préciser les variantes, pour préciser des éléments de datation, etc. Donc, on pourrait les réduire à une lettre par mois, ou environ, alors elles deviendraient agréables et intéressantes. Mais il paraît que M. d'Argental l'est, et puis la copie de la lettre que je possède s'arrête ici, on devine donc que peut-être d'Argental n'était pas d'accord avec l'idée d'opérer une sélection dans ces lettres. En tout cas, Condorcet répond aux propositions de Rio le 1er octobre 1783. Je crois, monsieur, qu'il faut arranger les lettres à monsieur d'Argental comme vous le proposez. Si, lorsqu'elles paraîtront, il désapprouve, il s'agit donc d'Argental, il désapprouve d'abord ce qu'on a fait. Je suis sûre de lui faire goûter nos raisons. Il aime trop purement la gloire de monsieur de Voltaire. Alors, c'est De Croix, finalement, qui s'occupe d'effectuer la sélection finale à l'été suivant, en 1784. En mai 1784, De Croix notait « Je n'ai pu m'occuper que par intervalle du recueil des lettres à M. d'Argental, ayant trouvé ici beaucoup d'affaires à remettre au courant. » Le 13 août, De Croix rend à nouveau compte du travail qu'il occupe. Plus j'avance dans celle de M. d'Argental, moins je trouve à retrancher. Notre grand homme avait là un avis bien respectable. De Croix prévoit également d'écarter de la correspondance générale une partie des lettres, celles qui sont en vers et en prose, qui sont destinées à un recueil que les éditeurs ont eu l'idée de former, donc une sélection de lettres en vers et en prose, qui compose donc un volume de l'édition de Quai. Donc, voilà pour ce volume. J'ai excepté des 139 lettres en vers et en prose, celles que le vénérable vieillard peut avoir reçues en ce genre. Je ne les connais pas encore. Un certain nombre de lettres a également été mis au rebut. D'autres n'ont pas été retrouvées. Les éditeurs noteront dans l'Errata, au tome 70, qu'il y avait un grand nombre de lettres à M. d'Argental, antérieures à celles-ci. Les premières dataient de 1716 à 1717. On a pu les retrouver, quoiqu'elles aient été données à ce endroit avec les autres par M. d'Argental. Alors, voyons maintenant quelques exemples de ces manipulations opérées par les éditeurs. J'en ai pris trois cas. Premier cas, une lettre tronquée. Alors, une lettre du 26 février 1736, en blanc, donc, la lettre originale telle qu'elle est conservée dans l'édition du Quai, en rouge, tout ce qui a été supprimé. Voilà la première partie de la lettre. On ne va pas lire simplement pour prendre la mesure du travail de coupe effectué sur ces lettres. Alors là, il manque ici. Ah oui, non. Parfois des petites retouches sur un mot. Dans le second paragraphe strié, on voit qu'il y a une petite réécriture en vert. Donc ça a été repris à dire prononce un vers aussi dieu, ce qui est une réécriture à partir d'un élément qui se situe dans la partie rayée. Et voilà encore, donc c'est toujours la même lettre, hein, tout ce qui a été rayé, il y a des citations de vers, donc d'Alzire, et on a gardé la fin. Voilà encore des éléments donc, qui ont été rayés.
Alors, on ne va pas commenter dans le détail, hein, simplement, dans l'ensemble, les éléments tronqués sont des informations complémentaires sur le travail d'écriture, de réécriture, d'évaluation de la réception des pièces de théâtre de Voltaire. Voilà, donc une grande partie de la lettre a été éliminée, mais ce qui a été édité pour cette lettre-là fait partie uniquement de cette lettre. On n'a pas ajouté d'autres éléments, ce qui peut être le cas à d'autres occasions, comme celle-ci. Deux lettres sont dues en une seule. Donc il s'agit d'une lettre du 6 décembre 1738, en blanc donc le texte de la lettre originale, en bleu des additions provenant d'autres lettres, avec des éléments retravaillés, des interpolations, donc, pas rentrer dans le détail, simplement pour vous montrer ce travail qui a été effectué. Parfois ce sont des ajustements donc, liés aux coupures, aux jointures. Voilà, donc deux lettres en une seule, troisième cas, quatre lettres en une. Alors, début de la lettre originale, donc, et en bleu, quatre insertions avec des passages rayés. Alors, on a cherché à fondre au mieux pour harmoniser le texte. Il n'y a pas véritablement de censure qui porte sur des éléments ni politiques, ni de morale, ni personnel ici. Simplement, les éditeurs ont sélectionné selon leur profession de foi qui consiste à donner à lire au public un texte intéressant, varié, riche et représentatif des problématiques de la carrière de Voltaire et de sa trajectoire littéraire. Ces lettres sont conservées aujourd'hui dans les archives Vorontsov à l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg et c'est sur la base de ces originaux manuscrits que Lublinski a pu reconstituer dans la première partie de son volume publié en 1956, hein, pour la première fois donc, il a pu reconstituer, redonner le texte original des 178 lettres que contient ce recueil de Vorontsov. Alors certes, comme le souligne l'éditeur Lublinski, les lettres n'ont pas été estimées à leur juste valeur par les éditeurs de Kiel au fin de publication. 48 d'entre elles ont été défigurées, c'est le terme qu'il emploie, parfois jusqu'à ne plus être reconnaissables, vous en avez vu des exemples. Et elles se reproduisent dans cet état déplorable, ce sont ses propres termes, et bien après qu'elles, par l'édition de Kerol, l'édition de Bechot, l'édition de Molan notamment. Certaines lettres également ont été entièrement négligées. Le travail de Lublinski a donc permis de redécouvrir la lettre voltairienne dans son authenticité, dans une édition critique, annotée, avec des variantes, une édition comportant un index. Et cette édition, pour nous qui travaillons sur l'histoire de l'édition de Kiel, eh bien, permet de redécouvrir, de documenter le travail des éditeurs de Kiel et de mettre en perspective les manipulations opérées sur le corpus des lettres de Voltaire. Alors, les témoignages qu'on a lus dans l'archive permettent cependant de comprendre quelle était leur position et quelles étaient leurs contraintes. Contrainte de taille. Face à la masse épistolaire, Pankouk avait déjà rassemblé une partie de la correspondance pendant les années de travail de Beaumarchais. La collecte de la correspondance se poursuit et atteint une masse considérable. Et face à cette quantité de textes épistolaires, les éditeurs tentent d'opérer une sélection. Il s'agit à la fois de maintenir l'intérêt du lecteur, on l'a dit, mais surtout de respecter la promesse faite au souscripteur de 60 volumes initialement prévus. Parfois aussi, on relève quelques retouches portant sur des éléments de bienséance ou de respect dus aux personnes vivantes. En tout cas, les éditeurs de Kiel sont les premiers à décider de faire entrer l'ensemble du corpus épistolaire de Voltaire dans ses œuvres complètes par cette immense entreprise de collecte des originaux. Et ils publient finalement 4500 lettres, après en avoir écarté donc une partie pour des raisons diverses, on l'a dit,
dans la correspondance de D'Argental, mais dans les autres corpus également. Finalement, pour eux, en guise de bilan, l'absolue fidélité philologique importait peu. Il s'agit pour eux, selon leur profession de foi qui s'énonce dans les prospectus, dans les textes de présentation et dans la correspondance que les éditeurs échangent entre eux, il s'agit surtout de montrer Voltaire l'homme tel qu'il est et de montrer l'homme de bien, puisque Voltaire fait l'objet d'attaques incessantes qui portent non pas sur son œuvre, puisqu'elle est populaire, puisqu'elle est inattaquable, mais qui porte sur l'homme, sur sa moralité, sur son impiété, son immoralité. Alors, les éditeurs cherchent à reprendre les choses sous le même angle, c'est-à-dire à montrer Voltaire comme homme de bien. Et dans cette trajectoire, la correspondance constitue un apport documentaire qui fournit une image du réseau voltairien, une image de la vie de la République des Lettres, et cette correspondance a accédé ensuite au rang de chef-d'œuvre littéraire. Son classement dans la section littérature de l'édition signalait déjà cette ambition. Donc à la fois une ambition documentaire et une ambition littéraire. Et finalement, ce qu'ont fait les éditeurs en rassemblant ces milliers de pièces éparses, en les reclassant, en les associant, en les retaillant, eh bien, ils ont créé un nouveau texte en lui donnant une forme. Alors, en conclusion, je dirais donc que les éditeurs modernes, de Lubinsky à Pomo, en passant par Besterman et plus récemment encore Nicolas Kronk, toutes ces critiques à l'encontre de l'édition de Kell semblent peut-être pouvoir être nuancées. Nicolas Kronk a rappelé récemment que si le travail de modification que les éditeurs de Kell ont réalisé sur certaines parties du corpus voltairien, je le cite, rend impossible une étude pertinente de la genèse de la pensée du philosophe, et il ajoute, le discours voltairien finit par assumer une importance qui se situe au-delà de son apparition dans une forme littéraire spécifique. Telle ou telle œuvre est finalement provisoire, la pensée, par contre, reste la même. C'est une fragmentation au niveau de la forme qui ne fait que renforcer la cohérence du message voltairien. Fin de citation. C'est ce qu'avaient bien compris les éditeurs de Kell, pour qui, finalement, la lettre exacte sur le plan philologique n'importe pas tant que la possibilité de rendre lisible et de rendre intelligible le texte de Voltaire dans une forme qui leur semble la plus adaptée à leurs contraintes matérielles, mais aussi pour d'autres corpus, pour d'autres parties du corpus, aux contraintes politiques, aux contraintes de censure. Et en outre, la connaissance critique d'un écrivain n'avait pas cours au XVIIIe siècle. Et sinon, si l'on admet comme postulat initial, je terminerai là-dessus, le caractère historique de ce travail, il faut peut-être alors se départir d'un jugement de valeur anachronique, formulé à l'aune d'une déontologie éditoriale et scientifique qui n'avait pas cours à la fin de l'Ancien Régime. Et c'est en ce sens, peut-être, que cette édition est datée, alors, au sens négatif du terme, on le lit dans la critique, mais peut-être datée au sens positif du terme, c'est-à-dire que nous pouvons en apprécier, peut-être, l'épaisseur historique. Voilà. Может, я неправильно понял, когда мы сразу вы сказали о том, что сокращение издателей в случае переписки Вольтера с Д'Аржанталем касаются только вызваны только интересами публики. Но что они не имеют ни вызваны никакими цензурными ограничениями, и не могут совершить. Vous avez dit que les agrégations qu'on a faites, que les éditeurs ont effectuées, n'étaient
fondée que sur l'intérêt du public, mais pas des raisons de censure. Si, vous avez bien dit que... Pour d'argent sale. Pour des gens, le cas des gens. Oui. Et pour les autres cas aussi, peut-être. Alors, j'ai pas pris les choses dans le détail ici. Il faudrait regarder à l'échelle de l'ensemble du corpus. Il y a donc, sur d'autres corpus, il y a des raisons clairement politiques. Lorsque, par exemple, la correspondance avec D'Alembert, lorsque sont abordées les questions du Parlement, là c'est Beaumarchais même qui a demandé à faire des coupures. Il y a tout un échange à ce sujet. Dans la correspondance de D'Argental, il y a parfois des petites attaques ad hominem, des petites critiques contre certains personnages, des intermédiaires, contre certains comédiens. Alors, il faudrait que j'en retrouve des exemples, je ne les ai pas préparés dans le détail ici. Mais ce ne sont pas des cas de censure, de censure liée à des raisons objectives. Il cherche à donner l'image de Voltaire homme de bien. Parfois, lorsqu'il est plaintif, très réprisant, parfois il retouche le texte ou il supprime des plaintes. Vous voyez des passages de plaintes. Là, ce sont des cas de commentaires sur de détails sur les pièces de théâtre. Donc ici il y a des éléments au sujet de Desfontaines. Donc au sujet de cette querelle avec Desfontaines. Bon, ici il y a des. Voltaire reprend ses plaintes au sujet de Desfontaines sur la question de la publication du préservatif. Ça a déjà été dit dans d'autres lettres. Donc, il ne règle pas systématiquement. Parfois, il laisse quand même. Mais lorsque ça se répète, alors il peut griller. Voilà ici, cette plainte au sujet des tentatives de Voltaire pour essayer d'obtenir une justice contre Desfontaines. Mais je n'ai pas fait d'études systématiques Voltaire. Ce serait intéressant de regarder dans le détail sur l'ensemble de cette correspondance. Le recueil Vorontsov qui est conservé ici ne représente qu'une toute petite partie de cette correspondance avec les D'Argental. Je n'ai pas réussi à éclaircir totalement comment. Alors, on connaît les éléments de l'achat, concernant l'achat des lettres. Donc, c'est le comte de Vorontsov qui a chargé l'ambassadeur russe Markov à la fin du consulat, vers les années 1803-1804. Il a fait acquérir cet ensemble par l'intermédiaire de cet ambassadeur. Et les lettres sont restées dans la famille Vorontsov jusqu'au début du XXe siècle, au moment où elles ont été données à l'Institut d'Histoire. Ce que je n'ai pas éclairci, c'est comment est-ce que ce corpus de 178 lettres a été détaché du reste qui était a priori dans les mains de Beaumarchais. Du coup, comme question Oui, merci. Juste une question et une remarque pour rebondir sur la question de Vladimir Sorov. Il y a effectivement de la censure, mais est-ce que ce n'est pas lié en partie au respect de personnes qui étaient encore en vie, évidemment, donc il fallait préserver l'intimité. Juste une remarque, tu as dit très justement qu'on a supprimé les variantes de toutes les pièces de théâtre. Oui. Et il y a une chose très importante, je crois, c'est que le pauvre Voltaire est à Ferney, il veut faire représenter son théâtre à Paris, et D'Argental ne cesse de modifier ses pièces de théâtre. Et on a la bibliothèque de Voltaire, une olympique, une pièce olympique avec une marginalia de Voltaire qui dit «
vers détestable que le style de Bolt de l'Arcantal s'est conclu, comme on s'est l'habitude, à insérer dans ma pièce. Donc on a dû supprimer tout ça, en fait, c'est bien ça. Oui, bien sûr, oui, je ne suis pas, je n'ai pas présenté véritablement cette correspondance, je suis partie du principe que... Mais bon, j'aurais peut-être dû revenir sur le contenu de cette correspondance. Bien sûr, il y a toute cette... ces éléments pratiques et techniques liés à la présentation des pièces et aux corrections. Et les éditeurs ont utilisé les informations qu'ils leur semblaient utiles pour établir le texte du corpus théâtral. Et ils ont rayé, voilà, ce sont de très longues lettres, hein, pour certaines, on a vu la première, qui contiennent toutes les tentatives et les... toutes les préoccupations de Voltaire pour faire représenter au mieux ses pièces. Et il y a bien sûr, voilà, au passage, il y a aussi quelques attaques à nominem et la notion de bienséance intervient régulièrement, notamment lorsqu'il s'agit de personnes vivantes. Et ça, ce n'est pas seulement le cas dans la correspondance de D'Argental, mais dans d'autres correspondances. Les éditeurs sont confrontés à cette réalité que les descendants ou les correspondants de Voltaire encore en vie ou leurs descendants exigent, hein, et parfois avec des lettres très très puissantes, voire refusent totalement de donner leur correspondance. Ils sont obligés de tenir compte de ces contraintes. Merci. Pardon. Можно тогда? Мой вопрос относится не к сюжету представленного доклада, а к одному из элементов иллюстративного материала. Портрет Кондорсе. Мне бы хотелось узнать, есть ли у вас информация о происхождении этого портрета и основании для его идентификации как портрета Кондорсе. Потому что, во-первых, этот портрет на другие портреты Кондорсе совсем не похож, а с другой стороны, он очень похож на известные портреты Эро де Сешель. Le portrait de Condorcet, est-ce qu'on connaît l'origine, le fondement pour l'attribution et le fait qu'il ne ressemble pas à deux, c'est le Condorcet, mais beaucoup à un Eero de Sechel. Alors là, vous avez que j'ai pris un des portraits de Condorcet qui sont dans la base de l'inventaire Condorcet, mais j'ai pas repris les références. Mais je pourrais les chercher. Я видела репродукции этого портрета в интернете, анкулер в цвете, и с самого начала он мне показался похожим на портреты Эро де Сешель и совершенно не похожим на все остальные портреты Кондорсе. Bien vu ce portrait sur internet et tout de suite j'ai remarqué que je ne ressemble pas à d'autres portraits de mais forcément ça ressemble bien. Alors je vais vérifier dès que vous direz tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais être parlé, mais c'est pas ce que nous avons ici. Известно, например, что один из портретов мадам Дени, их всего несколько, и один из них считался, прошу прощения, маркизой де Шатле, Эмили де Шатле, и супруга покойного Сальи Бонне, Катрин Ксавье, qui travaille au Louvre, et vient de prouver que le portrait n'est pas celui de Madame Dini. Merci Linda, donc nous passons en Trédès maintenant, nous avons beaucoup de communication à entendre, français et puis aussi nous, de communication russe, Nicolas Morel. Николай Морель преподает в Пензенском университете, его докторская диссертация была посвящена изданию сочинений Вольтера, подготовленному Пешо, о котором он сегодня рассказал.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Bibliothèque nationale de Russie et plus particulièrement à l'équipe de la Bibliothèque de Voltaire pour votre accueil ici. Je suis très content de pouvoir vous présenter mes travaux autour des éditions de Peuchot, les œuvres complètes de Voltaire. C'est facile. La bibliographie n'est pas de ces sciences brillantes ou lucratives, en vogue et en honneur dans les salons. Je crois qu'on en compte, on est bibliographe, mais c'est à force d'études qu'on le devient. La rigueur et l'esprit de sérieux, manifestés ici par celui qui, avant de s'attaquer à l'édition de l'immense corpus voltairien, professe son goût pour le travail et la compilation bibliographique, peuvent prêter à sourire. Travail aussi acharné que méthodique, précision, humilité, décrit en tout cas bien le rapport d'Adrien Jean-Quentin Beuchot au geste éditorial. Son édition des œuvres de Voltaire, parue en 70 volumes in octavo, entre 1828 et 1834, en témoigne. Livré à une période où Voltaire est généralement convoqué tant par les libéraux que par les ultras, comme symbole de la Révolution, son édition présente d'abord la particularité de répondre à un programme éditorial inédit et clairement énoncé. Loin de s'intéresser aux aspects les plus polémiques de l'œuvre de Voltaire, Beuchot fait avant tout œuvre de bibliographe et s'intéresse au patriarche en érudit. Éditeur savant, il s'attache à replacer chaque texte dans le contexte historique, historiographique et bibliographique qu'il a vu naître. Son travail, basé notamment sur une imposante collection personnelle, renouvelle en outre l'image du patriarche de Ferney, telle que l'avaient donné les éditeurs de Kiel. Il s'agira ici d'éclairer le lien entre la réunification par Beuchot d'un savoir documenté et érudit autour de Voltaire, l'influence de ses prédispositions de collectionneur, de bibliographe, sur la façon dont il conçoit son édition, et l'image de Voltaire que renvoie sa pratique éditoriale. Précisons d'abord quelques éléments de la carrière de Beuchot. Celle-ci est marquée par plusieurs réalisations d'envergure qui témoignent toutes de son goût pour le labeur bibliographique. Car Beuchot n'en reste pas aux préceptes. Il compile en effet, entre 1811 et 1850, les données de chaque ouvrage paru en France dans le fameux journal de la librairie, d'abord pour l'administration du livre de Napoléon, puis de façon moins officielle à partir de la Restauration. Éditeur posthume des œuvres de Voltaire entre le premier jalon que constitue l'édition de Kiel, dont Linda vient de nous parler, et la réédition de son propre travail effectué par Louis Molland au tournant des années 1880, il mêle, dès 1802, son appétit pour le classement à un goût tout aussi prononcé pour l'œuvre de Voltaire qu'il recherche avec frénésie. Il nous dit « J'avais plus que jamais pris goût à Voltaire. J'avais commencé à voir tout ce qu'il y avait à faire pour une édition de ce fécond auteur. Je me mis à rechercher, à acquérir les diverses éditions, surtout les premières, de chacun de ses écrits, sans en dédaigner aucun. J'y joignis tout ce que je pouvais me procurer de brochures du temps sur ses écrits. Ce n'était pas encore assez. J'achetais les collections de journaux du temps. » Je passe la route de la citation, je termine. « Ce moyen, nous dit-il, était le seul qui put me procurer de bons matériaux pour une édition. » Beuchot se montre, en effet, souvent très fier de sa bibliothèque qu'il nomme ses fameux 100 pieds. Et l'on comprend pourquoi, tant cette collection paraît indissociable de son travail. Bibliophile, Beuchot l'est-il pour autant à l'exemple d'un odier ? Sa passion, au contraire, semble essentiellement tournée autour de Voltaire et de son œuvre. Ainsi qu'en témoigne, d'une part, les collections de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi le catalogue de vente de sa propre bibliothèque, qui, hormis une importante collection sur la science bibliographique, paraît bien maigre au moment de sa mort en 1851. De toute évidence, chez Beuchot, le goût sert avant tout un objectif bien précis. Améliorer le contenu de l'édition. L'éditeur compile, en réalité, une masse documentaire inédite pour l'époque. Et c'est d'abord cette démarche, menée de façon aussi méthodique que frénétique, durant 25 ans, qui fonde l'originalité de son édition,
du moins au regard des nombreux projets qui paraissent simultanément aussi. Et d'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si l'auteur le plus prolifique du XVIIIe siècle se trouve publié par un homme qui cumule non seulement le goût pour le classement et l'attrait pour l'œuvre voltairienne. Bouchot nous dit à ce propos: la collection immense, unique et presque complète que j'ai formée des premières éditions des ouvrages ou opuscules de Voltaire, ainsi que de leurs critiques, défenses, etc., non seulement m'a procuré des renseignements curieux, mais m'a donné aussi les moyens de rétablir le texte dans un très grand nombre de passages. Encore une fois, la notion de goût croise celle de labeur chez Bouchot. Et c'est bien dans l'optique de préparer une édition la plus savante possible qu'il arpente les librairies. La quête de Bouchot est tournée vers la recherche de sources qui permettent de donner et de justifier le contexte des écrits de Voltaire d'une part et d'essayer de remonter à une hypothétique origine des œuvres d'autre part. Journaux de l'époque, manuscrits et éditions diverses forment la matière qui nourrit un travail visant à reconstituer le texte tel que Voltaire aurait initialement pu le concevoir. Cette dimension, Bouchot la confirme dans une lettre qu'il envoie à son correspondant Kérol. En tête ou en bas de chaque pièce, j'expliquerai, quand je le pourrai, et le plus laconiquement que possible, ce qui a fait naître chaque opuscule et ce qui l'a fait naître à son tour. Passons sur ce terme de naissance, qui pourrait renvoyer à une dimension génétique encore embryonnaire. Ce qui se voit surtout ici, en acte, dans la description de Bouchot, c'est une partie essentielle de ce qui constitue un travail critique, original, autour de l'œuvre de Voltaire. D'ailleurs, cette originalité, l'éditeur s'ingénie à la faire reconnaître. Premièrement, il signe tout ce qui sort de sa main. On voit ici notamment les préfaces, mais encore les notes, portent tout le sceau de celui qui les a rédigées et viennent intégrer un espace qui, jusque-là, était réservé à Voltaire. Deuxièmement, le contrat qu'il signe avec ses éditeurs commerciaux est un contrat de concession et non un contrat de cession. C'est-à-dire que Bouchot ne cède pas son travail, il en reste le maître. Enfin, troisièmement, il va jusqu'à défendre des droits d'auteur, notamment dans un conflit qu'il oppose au libraire-imprimeur Furm en 1835, lorsque celui-ci commence une réédition du travail de Bouchot. Bouchot affirme, à l'occasion du procès, l'étendue du lien qu'il attache à ce qu'il considère comme son œuvre. Pendant 17 ans, je me suis occupé de travaux littéraires sur Voltaire. Pendant les 7 dernières années, j'y étais livré 10 et plus souvent 14 heures par jour. Quelquefois même, j'allais au-delà, sans prendre relâche ni fête ni dimanche. Bon ou mauvais, le résultat de ce travail immense est ma chose et doit m'appartenir. L'enjeu pour Bouchot est multiple. Il s'agit d'abord d'empêcher de voir son travail tronqué ou partiellement effacé par la copie de Furm. Il s'agit en outre de conserver la possibilité de reprendre son édition au cas où des matériaux nouveaux viendraient à sa connaissance. Excès de vanité ou puis pugnacité de principe, peu importe au fond, cette démarche confirme l'hypothèse que Bouchot accomplit consciemment un geste éditorial inédit pour l'époque. Enfin, et compte tenu des droits d'auteur qui lui sont accordés dans le cadre de ce procès, Bouchot empêche tout éditeur de se servir de son travail jusqu'à 20 ans après sa mort. Il s'agit donc autant de s'assurer de la bonne vente de son entreprise que de garder la main en cas de réédition future, mais dans les deux cas, Bouchot verrouille littéralement toute reprise de son projet par un autre que lui. Pourtant, malgré la richesse de sa collection et la conscience affirmée, plusieurs fois répétée, de produire un travail original, Bouchot, dans un scrupule de dernière minute qui surprend jusqu'à ses éditeurs commerciaux, décide d'ôter le qualificatif complète de son édition des œuvres de Voltaire. Il nous dit: j'aurais pu sans doute donner le titre d'œuvre complète à l'édition qui est incontestablement la plus ample de toutes les éditions de Voltaire. Le devais-je, convaincu que je suis de l'existence d'ouvrages de Voltaire que je n'ai pu me procurer, sans parler de la correspondance dont je ne serais point étonné qu'il ne nous en soit parvenu que la moitié. Est-ce une authentique marque de sincérité? Ce geste paraît pourtant contradictoire. En effet,
au vu des moyens déployés par Bouchot, son travail n'était-il pas destiné à durer? Et dans ce cas, ne vaut-il pas, dès la page de titre, son propre travail à être dépassé? Au contraire, en amputant l'édition de son ambition d'intégralité, l'éditeur gagne en intégrité. Mais il renforce surtout une forme de légitimité auctoriale sur le texte. D'ailleurs, si le Voltaire de Bechot, comme je l'ai mis dans le titre, peut exister, n'est-ce pas précisément parce que tout Voltaire ne s'y trouve pas? Mais surtout, l'enjeu rejoint une problématique plus générale, qui touche à l'essence même du travail d'éditeur, ainsi que le montre une lettre de l'un des concurrents de Bechot, Louis Dubois. Si jamais, ce dont je dois douter à 63 ans, je pouvais donner une nouvelle édition de Voltaire, je pense et crois pouvoir vous dire qu'elle vaudrait un peu mieux encore que ses devanciers, car ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à gagner. Travail d'accumulation, l'édition se nourrit toujours des découvertes précédentes. Le procédé est d'autant plus inachevable concernant Voltaire que les brouillons, épigrammes et lettres sorties de la main du patriarche de Ferney dorment encore nombreux dans les archives, que ce soit au moment où Bechot prépare son travail, mais aussi, sans doute, encore aujourd'hui. Derrière le geste de Bechot, il y aurait alors l'idée que l'éditeur, par ses choix, ne participe pas seulement à forger en partie le sens de l'œuvre. Il prépare également des outils qu'il met à la disposition de ses successeurs, et dont seul un travail sérieux, fondé sur des sources et authentiquement savant, peut garantir la valeur. Centré sur une étude de l'histoire du livre et des pratiques éditoriales au XIXe siècle, cette communication s'interroge aussi plus largement sur l'importance du rôle de ces voltairistes érudits dans la constitution et la transmission de l'œuvre du patriarche de Ferney. Et s'il paraît a priori difficile de confondre la position de Bechot, bourgeois libéral de la Restauration en France, avec celle de Vladimir Lubinsky, cette éthique du travail et la recherche et la défense d'un travail quasi monastique, professé par Bechot justement, m'autorise à tenter un petit rapprochement pour terminer cette conférence. Dans son article, intitulé « La bibliothèque de Voltaire », paru dans la Revue d'histoire littéraire de la France en 1958, Vladimir Lubinsky constatait, lui aussi, devant les trésors enfermés dans la bibliothèque de Voltaire, l'urgence d'une réévaluation de l'œuvre et de l'influence du patriarche à l'aune de ses nouvelles archives. Là aussi, il pointait du doigt non seulement l'immensité du corpus mis au jour, mais surtout la difficulté de lui donner un sens, faisant ainsi appel d'abord aux connaissances de l'éditeur, mais surtout à son sens du labeur. L'unique moyen, sûr, nous dit Lubinsky concernant le travail à faire autour des notes marginales, consiste à recueillir la totalité des notes relatives à l'histoire ou au droit, aux actualités littéraires, aux théories cosmographiques, au commerce des grains et à la géographie, de la recueillir sur toute l'étendue des marges de tous les volumes conservés. Un programme titanesque. La nouveauté des moyens à disposition, la différence d'objets à dépouiller et l'écart contextuel entre Bechot et Lubinsky, qu'ils soient géographiques, politiques ou culturels, ne suffisent alors pas à masquer la similitude des deux démarches qui ne peuvent, pour l'un comme pour l'autre, que s'effectuer, comme le dit Bechot, loin des salons mondains. Car c'est bien un travail minutieux, méthodique, savant, qui doit, d'après Lubinsky, guider l'éditeur du corpus des notes marginales. Mais ne s'agit-il pas aussi ici, en creux, de rappeler le rôle de l'éditeur dans la constitution d'une image de Voltaire? Bien plus, cette attitude n'offre-t-elle pas quelques échos avec la pratique de Voltaire lui-même, ainsi que le décrit Lubinsky dans son article? Et encore ceci, derrière le poète et l'auteur dramatique, derrière l'homme politique, le courtisan, le seigneur de village, le correspondant des souverains et le patriarche de la tribu philosophique, derrière le lutteur contre l'intolérance et les abus judiciaires, etc., derrière l'apôtre pour les uns et le singe pour les autres, distinguons-nous toujours assez nettement le savant, l'homme d'étude? Cet appel à réhabiliter justement l'homme d'étude, que serait peut-être avant tout l'homme de Ferney, a bien quelque chose de troublant. Ne s'oppose-t-il pas ici, immédiatement, à toute une série de qualificatifs qui accompagnent Voltaire tout au long de sa carrière et même longtemps après sa mort? Poète, courtisan, apôtre ou singe, tout cela prend l'effet, sous la plume de Lubinsky, d'une collection d'images d'Épinal, dont la valeur et l'origine mériteraient au moins d'être interrogées. Que reste-t-il une fois que le masque tombe? Ce commentaire nous inviterait aussi à comprendre le militantisme du travail savant dans une optique autre que politique.
Derrière les jeux de dupes, les faux-semblants et les effets d'annonce, ne nous poussent-ils pas aussi, nous, à nous mettre au travail pour retrouver une facette certes moins brillante, mais pourtant essentielle de la carrière de Voltaire? Et qui d'autre que ces bibliographes solitaires peuvent se montrer plus à même de sentir et de présenter cet aspect moins éblouissant de la carrière de Voltaire? Le propos de Lublinsky n'évoque-t-il pas, d'ailleurs, le souci déjà manifesté par Beauchamp d'éloigner son projet éditorial des réinvestissements polémiques et politiques de la figure de Voltaire, caractéristique de la Restauration? Ne devrait-on pas, et je vais conclure là-dessus, imaginer, à partir d'une étude encore à faire, des parcours de Lublinsky, Beauchamp et d'autres de ses mains de l'ombre, une histoire conjointe de celles et ceux qui travaillent l'œuvre de Voltaire à l'écart des tumultes partisans? Si l'on peut se demander sur quels axes il faudrait travailler pour qu'un tel rapprochement devienne pertinent, au-delà des distances contextuelles, ne s'agirait-il pas surtout de s'attacher à retrouver la description du travailleur acharné, précis et méticuleux, derrière l'homme des Lumières et les masques sous lesquels on le présente, puis il se présente? Car Voltaire a de toute évidence inspiré des chercheurs tout aussi scrupuleux que méconnus, à l'exemple de Lublinsky et Beauchamp. L'un recueille laborieusement des variantes publiées dans les journaux et les archives de son temps, l'autre recense les éléments épars d'une bibliothèque. Mais tous deux fondent leur action sur les mêmes ingrédients, puisés dans une exemplarité qu'ils prêtent au patriarche de Ferney. Et ne peut-on pas espérer trouver là la clé d'une herméneutique voltairienne, encore à préciser, mais guidée depuis 200 ans par l'action discrète de certains de ses éditeurs et à même de dépasser les contingences et les conditions particulières? Je vous remercie. Не целя спасибо тогда. Отдельное спасибо за соблюдение регламента. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Будет вопросов? C'est clair? C'est ça. Pas de question. Спасибо вам, Николя. Оливье Кишар. Эвин Кишар, атташе по культуре мэрии города Ферне-Вольтер и сотрудник исследовательской группы «Германистика просвещения» Женевского университета. Эвин готов к защите и изданию своих исследований по теме «Вольтер и иезуиты». Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour remercier l'ensemble des personnes de la Bibliothèque nationale de Russie et de la Bibliothèque Voltaire qui nous font la joie d'accueillir depuis quelques jours. Le propos que je vais vous tenir à présent est un aperçu bref de la thèse de doctorat que je soutiendrai l'an prochain à Genève, qui est consacré à Voltaire et les Jésuites. Vous savez que Voltaire a été élevé au collège Louis-le-Grand entre 1704 et 1711 et que c'est le début d'une très grande aventure intellectuelle croisée entre lui et la société fondée par Ignace de Loyola, aventure intellectuelle qui dure presque 75 ans, puisque quelques jours avant de mourir, Voltaire se rendra à Paris, non pas au collège Louis-le-Grand, mais dans la maison du noviciat de la Compagnie de Jésus, qui était située rue du Pot de Fer, à côté de l'église Saint-Sulpice. Donc ce que je vais vous présenter, c'est aussi un petit échantillon de ce que contient la Bibliotheca Volterra, c'est-à-dire les livres écrit par des auteurs jésuites et que Voltaire conservait à la fin de sa vie. Près de 30 années, c'est par la publication du catalogue des écrivains du siècle de Louis XIV, du dernier état connu de la bibliothèque de Voltaire en son château de Ferney. Sans jamais démentir l'impression première donnée par le maître ouvrage de Voltaire, la bibliothèque de travail du château de Ferney permet de préciser, je vous le disais à l'instant, la place effective que son propriétaire accordera à la fin de sa vie aux écrivains de la Compagnie de Jésus. Place ridicule, si l'on en juge par la faiblesse du nombre, à peine 160 titres sur les quelques 4000 titres recensés dans le catalogue édité en 1961
par l'Académie des sciences de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Place autrement considérable, si l'on s'attarde sur la composition du fond, les auteurs représentés et les clauses marginales qui parfois accompagnent tel ou tel de leurs écrits. Sans surprise, pour qui s'intéresse à la Bibliotheca Volterra, ce sont l'histoire et la géographie qui forment plus de la moitié des titres recensés, suivi d'assez loin par la religion, environ 20%, et la poétique, près de 17%, reléguant les sciences, 6%, et la philosophie, moins de 3%, à une position subalterne. Rassemblés pour une part, suivant l'habitude de la maison, en pot pourri, on en recense trois spécifiques appelés pot pourri jésuites et plusieurs génériques, comme ceux réservés aux arrêts des différents parlements français. Ces écrits sont généralement disséminés de manière indistincte, vous le savez, dans le corps de la bibliothèque. Près des deux tiers d'entre eux, si l'on s'en réfère à la publication récente des notes marginales de Voltaire dans ses livres, par la Voltaire Foundation, portent la trace d'une intervention volontaire, qu'il s'agisse de cornes, de cimières ou plus rarement de commentaires présentés sous la forme de notes. Alors, régulièrement mise en exergue par les spécialistes, la traite Voltaire pour l'histoire et la géographie pâtit de la distorsion provoquée par le bannissement puis l'expulsion de la Compagnie de Jésus en 1762 et en 1763. Près d'une quarantaine de titres témoignent aujourd'hui encore de l'intérêt suivi du résident des Démices et seigneur de Ferney pour la disparition de la congrégation fondée par Ignace de Loyola. Entretenue par certains de ses correspondants les plus en vue, je pense en particulier à D'Alembert, intéressé à une histoire de la destruction de la Compagnie de Jésus, cet intérêt, essentiellement documentaire, ne se démarque guère de l'appréciation faite par les contemporains. Assimilé au Parlement de Paris, d'Aix-en-Provence et de Rennes, les figures de Henri-Philippe de Chauvelin, Jean-Pierre-François Ritter de Montclar et Louis Caradeuc de la Chalotais dominent en même temps que les débats une production juridique de qualité dont sont exclus, levés du Parlement oblige, les juristes bourguignons tels que Claude-Philippe Fiot de la Marche, Bénigne de Bout-Gerland et surtout Charles de Brosse. Deux fois plus nombreux que les plaidoyers, ces réquisitoires contre les bons pères jésuites émanent, il faut souligner, tous des milieux jansénistes et attestent une prédilection pour les succès de librairie. Plus facile d'accès que les arrêts parlementaires, ces pamphlets servent à Voltaire de compendium, de raccourci, principalement doctrinal ou historique. L'abrégé chronologique de l'histoire de la Compagnie de Jésus l'a détaillé, est à cet égard exemplaire, encore qu'il ne fasse que rarement l'objet d'annotations marginales. Il peut s'agir, d'un point de vue général, de livres condamnés par les parlements du royaume, contenus dans un libelle comme celui, je cite, des jésuites convaincus par leurs propres ouvrages, mais aussi d'un point de vue particulier, d'un aspect idéologique sensible, opportunément remis à l'honneur par les ennemis de la société. Cette littérature de circonstance, il va sans dire, ne fait le plus souvent qu'effleurer des points de controverse, par ailleurs très très bien documentés dans la Bibliotheca Volterra, comme avec, je cite, les pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damien, donc, qui avait essayé donc, d'attenter à la vie du roi Louis XV, ou au procès, examen, les confessions et négations du méchant et exécrable parricide François Ravaillac. Vous savez que la Compagnie de Jésus est régulièrement accusée d'avoir suscité et entretenu les attentats contre les rois de France. Autant d'archives historiques que Voltaire, toujours à l'affût, complète au fur et à mesure d'une histoire immédiate spécialement riche dans laquelle les rôles du Portugal et de l'Espagne apparaissent prépondérants. En ces vestiges d'une histoire en cours d'écriture, ces écrits concomitants de la persécution de l'ordre jésuite par les monarques catholiques européens participent d'une littérature polémique au long cours, matérialisée dans la bibliothèque de Voltaire, que vous conservez ici à Saint-Pétersbourg,
par une dizaine d'ouvrages dûment choisis. D'une manière attendue, le parti janséniste dont je vous parlais un instant, il est de nouveau surreprésenté. Mais le parti philosophique n'est pas en reste. Lui, dont les intonations peuvent être lucides et amères, quand il s'agit de l'article jésuite tiré de main de maître de Denis Diderot, ou vindicatives lorsqu'elles émanent d'Alembert et de son ouvrage sur la destruction des jésuites. Hostile à l'un comme à l'autre, l'histoire impartiale des jésuites de Linguet complète un florilège polémiste qui sombre, il faut le dire, parfois dans la rubrique des faits divers, comme avec ses pièces de l'affaire Cadière, du nom de cette jeune carmélite, subornée par son confesseur jésuite, le père Girard, en âge d'être son père. Cas isolé, à vrai dire, car le goût de l'anecdote, prise à charge, ne sacrifie guère à celui de l'interprétation. Qu'on songe aux conséquences pratiques de l'expulsion de la Compagnie de Jésus, comme au devenir des collèges de la société, posés en termes exprès à partir de 1762, et l'on ne s'étonnera pas que Voltaire ait pris soin de conserver, dans les rayonnages de sa bibliothèque, les essais pionniers sur l'enseignement de La Chalotais, je cite, l'essai d'éducation nationale, ou encore de Diderot et Crevier, de l'éducation publique. N'est-ce pas du reste un père jésuite, François-Louis de Labor, supérieur des missions de son ordre, que Voltaire, bien déterminé à asseoir la réputation de malhonnêteté de la Compagnie de Jésus, imputera en 1773, dans ses fragments sur l'Inde, l'origine de l'affaire Lally-Tollendal. Or, comparé à l'abondance documentaire suscitée par la crise des années 1760, la production jésuitique dans les domaines historiques et géographiques, telle qu'elle apparaît dans le catalogue de la bibliothèque conservée ici, à Saint-Pétersbourg, fait pâle figure. Impression fallacieuse, une fois encore, que celle du nombre, car pour une monographie, combien de renvois, combien d'allusions, combien de commentaires, pas toujours amènes, notamment dans le siècle de Louis XIV, mais aussi dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations et l'histoire du Parlement de Paris. À défaut d'être originaux, les choix monographiques de Voltaire ont le mérite de porter sur de solides études, comme je cite, les mémoires pour servir à l'histoire universelle de l'Europe, du père Robillard d'Avigny, l'histoire de France et l'histoire de la milice française du père Daniel, l'histoire des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie du père Mougeon, le recueil de lettres pour servir d'éclaircissement à l'histoire militaire du règne de Louis XIV du père Griffet. Alors ces études graves côtoient d'érudites curiosités, comme la dissertation sur un monument antique et torogolique du père Colonia, le traité des tournois du père Ménestrier, et quelques souvenirs émouvants mais factices d'une adolescence passée au collège Louis-le-Grand, comme cette histoire des guerres civiles, comprenant guerre de religion, du père Davila, autrefois reçu en étrennes, ça se passait en janvier 1710 au collège Louis-le-Grand, puis vendu par Voltaire par nécessité à un moment où il avait besoin d'argent. Alors l'ethnocentrisme, que n'autorise ni le goût de Voltaire pour les horizons lointains, ni l'attachement de la société ignatienne à promouvoir ses missions à travers le monde, n'est pas de mise. Deux pères jésuites, tous deux croisés par Voltaire au collège, l'un comme répétiteur, le père Charlevoix, l'autre comme étudiant en théologie, le père Lafitteau, se dispute une production ethnographique dédiée au Nouveau Monde, que les rédacteurs des lettres édifiantes et curieuses prennent soin de compléter par une vue d'ensemble dominée par l'Inde et la Chine. Et quand on connaît l'importance accordée par Voltaire à l'Inde et à la Chine, permettez-moi de m'arrêter un peu sur les livres des jésuites sur ce sujet. Alors sur la Chine, sur l'Empire du Milieu, trois fois mieux représentée que les autres missions étrangères, la bibliothèque du Seigneur de Ferney comprend, outre les classiques des pères Lecomte, Duhal, Gobille, Catroux et Amiot, deux études sur l'écriture, je cite, hiéroglyphique chinoise,
censé accréditer l'affiliation de la civilisation chinoise avec la civilisation égyptienne. La lettre de Pékin sur le génie de la langue chinoise et la nature de leur écriture symbolique du père Pierre Martial Thibault et les lettres au révérend père Paronin contenant diverses questions sur la Chine de Dortus de Méran. Les complètes, comme une mise en forme, un poème à la gloire de la dynastie Mandchou, composé par l'empereur en personne, Qianlong, l'éloge de la ville de Mukden et de ses environs. Incarnation ultime du sacré, Confucius apparaît dans la traduction du père Bobille avec le Shuqing, qui lui est alors attribué, et la première traduction collective de ses entretiens, livrée par le père Philippe Couplet, sous l'intitulé Confucius Sinarum Philosophus. Acheté pour la plupart à partir de 1770, comme l'a très bien rappelé Christiane Mervaux, ces ouvrages serviront à la rédaction d'un livre que je considère comme un chef-d'œuvre injustement méconnu, Les lettres chinoises, indiennes et tartares, publiées pour partie en réaction aux recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois du chanoine Cornelius de Pau. Alors, artificiellement gonflé par la littérature suscitée par le bannissement de la société en 1762, la part des ouvrages d'histoire et de géographie dus à des auteurs jésuites dans la Bibliotheca Volterra est dans les faits équivalente, et je crois qu'il faut le souligner, à celle de leurs ouvrages religieux. Sur la trentaine d'ouvrages recensés, près d'un tiers d'entre eux présentent un caractère apologétique affirmé, parfois directement dirigé contre Voltaire, tel le De Credulitate Doctrinis du Père Poré, qui avait été un des professeurs de Voltaire au collège Louis le Grand, ou encore la lettre pastorale de Monseigneur l'archevêque d'Auge de 1764, signée Montillet, mais en réalité due par le jésuite Louis Patouillet, ou encore les diatribes que vous connaissez du Père Nonote. Alors, formant une anthologie du fanatisme, dont l'anti-héros par excellence serait l'auteur de la doctrine curieuse, vous aurez reconnu François Garras, le persécuteur de Théophile de Viau, cette littérature polémique appelle de la part de Voltaire des réactions aussi vigoureuses que les récits hagiographiques des bons pères en suscitent d'amuser. Jugés aussi à l'aune du fanatisme, les livres d'histoire religieuse choisis par Voltaire, parmi ceux proposés par les pères jésuites, n'introduisent pas seulement une vision restrictive de l'histoire ecclésiastique, comme avec l'histoire des croisades de Louis Mainbourg, ou les mémoires chronologiques et dogmatiques de Robillard d'Avrigny, les crises schismatiques, je tiens à le souligner, y apparaissent prédominantes et font pendant, une fois encore, à une littérature janséniste dominée par les querelles autour de la bulle Unigenitus. Seuls ouvrages de théologie ou apparentés comme tels, le vrai pédagogue chrétien du Père d'Outremont, qui avait servi de catéchisme à Voltaire au collège Louis le Grand, et surtout le dictionnaire philosopho-théologique d'Aimé Henri Pollian, je cite, le plus impertinent de tous, parachève un ensemble doctrinal catholique aux allures d'épouvantail. Alors écarté de l'enfer de la bibliothèque du Seigneur de Ferney ou du paradis, selon le point de vue que l'on voudra adopter, la vingtaine de livres de poétique et de critique littéraire dus à des écrivains jésuites reprend pour partie les grandes et les moins grandes signatures du catalogue des écrivains du siècle de Louis XIV, dominé, je le rappelle, par les pères Bourrous, Brumois et Ducerceau. Les rejoignent le père Tournemine, autre professeur de Voltaire au collège Louis le Grand, et sa défense du grand Corneille, et plusieurs auteurs associés aux controverses impliquant la Compagnie de Jésus, comme l'affaire Santeuil, qui concerne le rapatriement du cœur du jésuite Antoine Arnaud à Port-Royal, ou bien encore celle sur l'encyclopédie illustrée par les deux lettres de Diderot au père Berthier. Sur les rayonnages, le dictionnaire de Trévoux, que vous conservez toujours, a le droit de citer, mais dans une édition intermédiaire, celle de 1743. Parents pauvres
des jésuites Ucas possédés par Voltaire, quelques ouvrages à caractère scientifique et philosophique signés par les opposants de Newton, comme les pères Castel ou Regnault, ou liés aux attaques, aux diatribes contre le pseudo-jésuite des Anguilles, John Tuberville Needham, et à la question de la matérialité de l'âme, complète un corpus conçu comme un outil de travail et de combat, à l'exception notable, et je pense que cela vous fera sourire, ce texte de Léchus qui s'intitule « De la sobriété et de ses avantages » ou « Le vrai moyen de conserver une santé parfaite ». Vous savez que Voltaire est mort à 84 ans. Je vous remercie de votre attention. Можно я вопрос? Скажите, это возможно ли такой же доклад, вот вы сделали о иезуитах, о других орденах католической церкви, книгах представляющих интересы Вольтера? D'autres ordres catholiques par les jésuites. Comme aurait dit Général de Gaulle, vaste programme. Сказать могу, но много говорить. Я хочу знать, Вольтер интересует с иезуитами, по смыслу доклада, с иезуитами у Вольтера есть отношения. И они хорошо изложены, спасибо. Возможно ли говорить об отношениях Вольтера с другими орденами католической церкви в таком же плане? Вот как, какой иезуит мы сейчас говорим? De certaines relations avec les jésuites et vous nous les avez bien exposées. Donc, est-ce qu'il est possible de parler des relations de Voltaire avec d'autres ordres dans le même plan? C'est certainement l'autre ordre intellectuel religieux qui a le plus compté dans la fabrique, dans l'écriture de Voltaire, incontestablement, ce sont les bénédictins et avec les ouvrages de Don Calmet. Ensuite, vous avez un certain nombre d'ordres religieux, je pense notamment aux frères mendiants, aux frères carmes, qui servent très souvent comme repoussoir et qui servent à des anecdotes plus ou moins croustillantes. Je viens de fermer Voltaire, vous le savez. Si vous vous reportez au dictionnaire philosophique, ou plus précisément à son avatar, quoi qu'on puisse en discuter, les questions sur l'encyclopédie. Par exemple, Voltaire parle d'une affaire de pédophilie qui concerne les carmes des chaussées dans la bonne ville de Gex. Ça fait partie d'une campagne que vous connaissez très bien aussi à propos des Capucins. Mais c'est vrai que les deux grands ordres intellectuels catholiques qui me semble-t-il, à ce stade, occupe une place prépondérante dans le travail d'écriture de Voltaire, ce sont les jésuites et ce sont les bénédictins. N'oublions pas, même si on a, n'oublions pas non plus, d'ailleurs j'en ai parlé pendant cette intervention, n'oublions pas quand même Port-Royal, n'oublions pas les jansénistes. Natalia Speranskaya a eu la gentillesse de me montrer hier un des manuscrits que vous conservez ici sur les jansénistes. Et on sent bien que, si vous voulez, le pendant de la thèse que je suis en train d'achever devrait être Voltaire et les jansénistes, puisque ça concerne évidemment les parlements et la condamnation certains de ses ouvrages les plus audacieux. Je pense évidemment au dictionnaire philosophique qui a été cloué sur le torse du chevalier de la Barre à la demande des parlementaires jansénistes, torse du chevalier de la Barre, avant d'être jeté au feu. Oui, Christophe. Oui, Olivier, il y a un nom que... Merci de ton intervention. Il y a un nom qui n'est pas apparu, mais très proche des jésuites et qui me semble essentiel pour Voltaire, c'est l'abbé de Liber. Alors,
Je dois dire que pour l'instant, c'est pas un nom que j'ai vraiment sur lequel je me suis. C'était son répétiteur au collège. Il est grand, c'était un académicien, celui qui a patronné à l'Académie française, et il adore son traité de la prosodie française, qui contribue à éditer. Alors, c'est un nom, Christophe, que je te le dis, c'est un nom qu'il faudrait que je vérifie. N'apparaît. Ah, l'abbé d'Olivet, excuse-moi, oui, bien sûr. Oui, donc l'ex-jésuite. Hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, l'abbé d'Olivet qui fait partie, je dirais, des compagnons de route de toujours. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion, lors de la soutenance du test de l'année prochaine, j'ai pu reconstituer, je crois que c'est la première fois, la scolarité de Voltaire au collège Louis-le-Grand. Et j'ai pu préciser qu'elles avaient été. J'ai retrouvé une cinquantaine de noms de camarades de collège qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on invoque généralement comme les d'Argental, etc., qui me semblent être des amitiés opportunément retrouvées quand Voltaire a commencé à percer dans le monde des lettres. Mais aller au collège même, il me semble que la plupart de ses camarades sont issus des milieux parlementaires. Vous connaissez Fieu de Lamarche parce que nous avons des lettres qui subsistent. Mais il y a d'autres personnages tout à fait intéressants comme le poète Lafaluère Génouville, dont j'ai pu établir qu'il avait été en classe avec Voltaire. Oui, madame. Имеется ли среди книг, которые вы анализировали, книга о Парагвае? Le livre sur Paraguay. Oui. Oui, alors, il faut que je parle du livre sur Paraguay ou государство иезуитов Парагвая. L'état des jésuites au Paraguay. Oui. Alors, en fait, au départ, Voltaire commence à avoir une vision très tranchée et très négative sur l'histoire des réductions des jésuites au Paraguay, ce qui nuance totalement dans l'essai sur les mœurs, où il montre, en fait, et c'est très intéressant, enfin, le vocabulaire qui est employé est extrêmement intéressant, puisqu'il parle de police, c'est-à-dire que la compagnie de Jésus police des autochtones, des indigènes, qui jusqu'alors sont exclus de la civilisation. Et il a un regard, je trouve, qui est quand même très très positif. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, quand Voltaire parle des jésuites. Mais sur l'Amérique du Sud, sur les réductionnesses du Paraguay, très sincèrement, très franc, très nettement, il y a une approche positive qui recouvre d'ailleurs aussi les écrits du père Lafitau. C'est-à-dire que le père Lafitau fait partie de ces auteurs jésuites qui sont épargnés par Voltaire, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple du père Charlevoix pour la Nouvelle-France, pour le Canada. Спасибо большое. У нас еще... Еще нам надо успеть выступить. У нас доклад на Клавдии. И передаю Гитлеру. Клавдия Гарфия из Дела. Клавдия преподает историю и теорию литературы в Саламанском университете. Сильвопле, пожалуйста. Avant de commencer mon intervention, je voudrais remercier l'équipe organisatrice et l'acteur Voltairien. Dans le même temps, je souhaiterais m'excuser d'avance auprès du public, premièrement, car je risque de lire mes notes, pour la plus grande partie de mon intervention. Ensuite, pour la très probable erreur que je commettrai en français, qui n'est pas ma langue maternelle. J'explique en partie le premier point. Cette activité s'intègre dans le cadre de ma formation doctorale. Mon projet de thèse s'intitule « Le genre épique à l'époque des Lumières, canon, lecture et d'interprétation ». Il constitue ma contribution au projet international de recherche celui de la lecture et d'herméneutique littéraire du cycle du siècle des Lumières, financé par le ministère de la recherche de l'Espagne.
Je présente en lecture Rotterdam 2008, dédié à la mémoire de Vladimir Zelensky, un portrait de Voltaire en Israël. C'est maintenant je ne passerai pas mon analyse sur ces travaux historiques ou liés directement à la musique, mais plutôt sur ces travaux liés à la poésie épique, c'est-à-dire le poème de Voltaire. Mais cet objectif, c'est bon d'aborder la figure de Voltaire historien. Dans une autre épique, inévitablement liée à l'historiographie des événements récents de l'histoire d'Europe. En partant de la question historiographique et critique des sources du siècle des Lumières, je centrerai mon analyse sur les principes de théorie littéraire concernant la composition de la fable et sa véracité chez des auteurs tels que Boileau ou Le Bossu, ainsi que sur leurs principes voltairiens concernant la composition épique révolutionnaire à l'époque. Voilà le jeu de la première partie. Pour la deuxième partie de mon analyse, je ferai une brève lecture du poème de Montréal, en relayant le contenu du roman historique. Et, parallèlement, en déterminant si les principes théoriques ont été appliqués. La relation de Voltaire à l'histoire a fait l'objet d'un grand nombre d'études. Hélas, encore insuffisant pour mettre en valeur la nouvelle conception de l'histoire que l'écrivain avait proposée. Innovation réside dans l'idée de mettre en valeur l'histoire moderne et de reléguer au statut de curiosité l'histoire ancienne. Ces idées ont été appliquées dans des œuvres historiques qui traitent de certains épisodes de l'histoire contemporaine de l'auteur. Voltaire altère l'équilibre épique en choisissant un cadre historique inspiré par les guerres de religion en France, événement qui se déroule à la fin du XIXe siècle, mais qui ne se prendra définitivement fin avec le dit de Versailles. Ce rejet assumé du passé ancien comme matière épique contravient au passé absurde en suivant la terminologie de l'Italie. Le principe constitutif même du genre épique. Par son choix, Voltaire dissocie donc la poésie épique de l'un de ses principes fondamentaux, le passé absolu, et l'aborde de manière similaire à la composition des textes historiques. Meinecke valorise la capacité à distinguer la futile de l'essentiel dans la transmission des événements passés. Voltaire, en tant que croyant de la très célèbre conception de l'histoire comme magistra vitae, proposera une méthode de classification hiérarchique des événements qui nous permettra d'apprendre du passé et d'améliorer le présent. Cependant, le niveau d'innovation de Voltaire est proportionnel à sa partialité. Le professeur Fox le décrit avec le nom suivant. He was an unmanaged person who is frequently detrimental as well as. En effet, la dévotion de Voltaire pour l'histoire présente remet en question son objectivité et la validité de ses arguments. Pourtant, malgré une absence de principes et de méthodes de recherche, Voltaire initia l'approche à l'historiographie. Au début du siècle dernier, Tilthey affirme dans The 18th Century of the Historical World, original en allemand, Das 18. Jahrhundert in die geschichtliche Welt, que Voltaire a apporté de nouvelles idées et d'interprétations à l'histoire du passé. Ma question devient dès lors, peut-on considérer la poésie de Voltaire de la même façon que l'histoire historique, en prenant l'exemple de Montréal? Voltaire a rédigé ce poème épique comme une déclaration de tolérance pour l'Europe. Le passé du continent dérange et inquiète notre auteur. Les guerres de l'Europe agissent contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre eux-mêmes, en son sens, retardent son développement vers l'état de justice et de cohabitation pacifique. Voltaire va donc se servir de sa vision de l'histoire pour essayer de changer les figures armées qui opèrent. On observe dans l'Orient le même historical thought que dans le sort historique. Le professeur Pierre Fort utilise dans son article encore plus de sort historique de Voltaire. Toutefois, il ne considère pas le point de vue comme sujet d'analyse. Il est vrai que le débat concernant les nuances de véracité de la fable qui caractérise le poème épique avait déjà l'objet de traités par des auteurs tels que Boileau ou Le Bossu, principaux théoriciens du genre épique. Mais il ne faut pas oublier que Voltaire n'a presque jamais suivi les règles de composition que Boileau ou Le Bossu avaient établies sur la poésie. Pour cette raison, on peut considérer que le choix d'une femme traitant de sujets contemporains à son époque est un problème proche de ce que lui-même a vécu, suivant un schéma d'histoire similaire à celui utilisé pour l'analyse des œuvres historiques.
Au début du XVIIIe siècle, le courant sionisien dictait la règle des compositions de la poésie. Au général, cette dernière constitue la plus réponse à la récente crise de la corruption de la poésie. Dans le cas de la poésie épique, la réaction dionysienne de la littérature face à la crise fut de renforcer le reste et de dénoncer un manque de valeurs morales dans la société. Même si aujourd'hui on associe la disparition genrée à l'événement du roman et à l'émancipation du sujet, à l'époque, la corruption de la morale en fut la cause principale. En réaction à la corruption des valeurs, les théoriciens proposent des règles plus strictes dans l'esprit du classicisme. Les écrivains, les poètes, les vrais compositeurs de poésie décrivent ces règles, qui sont justement impossibles à respecter, imagineront eux-mêmes des nouvelles voies pour la composition lyrique. Dans Godet, on trouve le théoricien plus connu, Boileau, représentant du courant classique, et le verbe reçu, auteur d'un traité dédié exclusivement au poète épique. De l'autre côté, apparaît la figure de Voltaire, et sa voix vindicative se manifeste dans les pages de l'essai sur la poésie épique. De la même mouvance que Boileau, le père Bossu se limite à l'étude d'Homère et de Virgile sur le style desquels il base ses règles. Il ne considère pas épique les poèmes qui ne respectent pas un modèle défini. À l'image de Boileau, il tire ses règles littéraires directement des travaux d'Aristote et d'Horace. Par rapport à cette histoire de la composition du poème épique, le Bossu dit que selon Aristote, les personnes et les actions doivent être composées sur base de quelques principes d'universalité et de possibilité pour faire que la composition soit une fable allégorique. Il faut au contraire éviter la similarité et l'historicité, ce que fait précisément Voltaire. Toutefois, malgré son dégradement historique, le Bossu reconnaît que le poème a un rapport avec, au poème, à la fable, à la philosophie morale et à l'histoire. On trouve en représentant du même style des théoriciens pour la racine historique, en comparaison de la fable et du merveilleux, comme le Bossu dit. Il importe plus que ces récits soient des choses véritables, comme celles de Lucan et de Silius Italicus, ou qu'ils soient fonds et tirés des fables, comme ceux de Stas en ces deux poèmes. Celui-ci raconte une fiction, ceux-là racontent des histoires, mais tous les trois se concluent en historien comme poète épique. Et voilà le nœud de la question. Le père Bossu établit une différence entre historien et le poète. C'est le rien d'un plus privilégié et mieux considéré. Le début de l'essai sur la poésie épique est une réponse directe au principe de théoricien classique. Voltaire écrit : il y a 100 poétiques en grand poème, on ne voit que 2 mètres d'éloquence et presque pas un orateur. La posture de Voltaire n'est pas une position contre la restriction de la composition littéraire. Quand il dit « le monde est plein de critiques », il ajoute « ce sont des tyrans ». Voltaire ne remonte pas aux règles, il réclame le respect pour la liberté du génie. Face aux prétendus législateurs, on trouve également des auteurs classiques qui n'ont guère obéi à d'autres leçons que celles de leur génie. Dans la même ligne d'interprétation, Voltaire se moque du piédestal absurde sur lequel on lisa Homère. L'opposition de Voltaire aux théoriciens a été démontrée à travers ses brèves citations. Il considère les théoriciens comme Boileau ou Le Bossu comme les astronomes qui inventaient tous les jours des cercles imaginaires. Je viens donc de limiter à remettre en question les principes défendus par les dix théoriciens. Pour rappel, il s'agit des principes en lien avec la présentation de la fable et l'équilibre entre la véracité des événements et la fantaisie, aspect nécessaire au bon déroulement du poème. Voltaire considère avec condescendance les bases de la composition du poème établie par Boileau et Le Bossu, parmi d'autres. La défense de Virgile, vu comme un imitateur d'Homère, se base sur la défense d'un Christ lié à l'histoire. Concernant son choix pour l'histoire récente comme source d'inspiration, Voltaire défend et également Lucan et l'auteur Varius, qui selon lui ne fut pas le premier qui choisit une histoire récente pour le sujet d'un poème épique. Varius, contemporain, ami et rival de Virgile, avait exécuté avec succès cette dangereuse entreprise.
est précisément cette dangereuse entreprise à laquelle Voltaire fait référence et la validation du présent historique en matière de l'école d'histoire est aussi de composer la fable du poème épique. La querelle des anciennes et modernes n'explique toutefois pas complètement ces principes que les théoriciens considèrent constitutifs, selon lesquels composer un poème épique correct, il faut suivre radicalement les enseignements d'Aristote et la mise en pratique d'Homère, établir les fondements de la fable avant de choisir l'argument ou les événements. Et Voltaire répond à ça. Il n'est pas croyable qu'Homère et Virgile se soient soumis par hasard à cette date bizarre de rebelle le dessus, après être établie. C'est de choisir son sujet avant ses personnages et de disposer toutes les actions qui se passent dans le poème avant de savoir à qui on les attribue. L'édition de 1807, publiée à Paris par le prieur, contient en plus des merveilleux gravures comme on peut voir ici. Comme cette image de Voltaire couronnée par la muse Calliope, une idée de l'Henriade dans laquelle on peut apprécier la présence des concepts théoriques sur la littérature et notamment sur la poésie épique. Ce prologue introduit le sujet du poème qui est le siège de Paris. L'auteur du prologue soutient la vérité des événements rapportés par Voltaire et il ajoute que l'auteur y a incorporé avec justesse d'autres événements affectés par la fantaisie et la poésie. De cette manière, dit-il, on évite de commettre les mêmes erreurs que l'auteur de la Farsalia. Il accuse d'être une gazette enrouée. Le prologue assimile également la poésie épique à la tragédie, en disant on a fait même que ce qui se pratique dans toutes les tragédies, où les événements sont liés aux règles du théâtre. Et donc, pour une fois, il défend que les poèmes épiques classiques étaient eux aussi composés sur des bases du chemin contemporain. Quand Voltaire commença à écrire son poème épique, il avait à l'esprit les modèles épiques de la littérature classique. Selon ce modèle, le poème doit commencer par le thème de la fable. Et selon la tradition, tout commence par chanter les héros d'une grande bataille. À savoir, les Iliades d'Homère commence par chanter des essais du Pélier à Achilleus, la colère désastreuse, et de même l'Énéide où chantent les armes et les héros. Voltaire adore le contre-pied de la théorie du genre épique en choisissant une citation de paix, concentrée sur la forme épique traditionnellement préservée au récit des guerres et d'histoire. Quand le poète chante, je sens ces héros qui règnent sur la France et par droit de conquête et par droit d'insolence, qui par des longs malheurs appris à gouverner, calma les factions, suivant et pardonne. Ce nouvel univers épique propose une poésie fondée sur les bons principes de la morale, en cherchant à produire un effet et à influencer directement les pressions. Malgré la distance temporelle, Voltaire évoque dans ses vers une histoire similaire. Une histoire c'est similaire à celle terrible de la mort du chevalier Lavare, qui à l'âge de 20 ans fut condamné par le feu pour la blasphème. L'Europe illustre, illuminée, admettait paradoxalement ce genre de pratiques effroyables. Or, en Espagne, on a le cas de la persécution antichrétienne de l'écrivain Pablo de la Vide. À travers son poème, Voltaire s'est déveillé la conscience de faire voir au peuple des cruautés qui se perpétueront si on ignore l'histoire récente. C'est dans cette idée qu'il décrit le crime de Catherine de Médicis. Il mentionne les images de cette vie à une projection des futurs. On observe alors une réflexion sur la mémoire des choses tristes et l'image d'un poète en souffrance, à force de le raconter. La puissante image du poète en larmes par le crime commis contre sa nation, on dit « on va n'est encore tant que question de français ». Les symboles de référence et de modèles potentiels apparaissent sur la figure de Charlemagne et non pas celle des monarques de l'Antiquité. Et encore une fois, Voltaire cherche dans l'histoire médiévale de la France un modèle exemplaire de figure royale.
Cette édition rappelle son choix de ne pas faire appel à l'histoire ancienne. Pour conclure avec la figure royale idéale de Voltaire, il met en vers les mots de son épitaphe où il dit et remémore pour sa tolérance précisément. Quand il dit en vue de ce sujet ennemi généreux, est mieux le sauver que le remettre sur le dos. Au-delà de l'aspect purement poétique, on voit dans les notes de son échange une démonstration de technique sur la recherche historique de Voltaire. La volonté d'une explication claire du sujet historique démontre que l'objectif de Voltaire était de compenser une pointe médiatique selon les règles de la recherche et de l'utilisation de l'histoire de soi. Так, большое спасибо, во-первых, я должен сказать за заказ приглашения. Я попробую очень быстро, тем более, что самое главное, я уже все раздал. И в этом отношении я попробую лишь подкомментировать те библиографические выводы, которые, соответственно, представлены в этом вот той распечатке, которая у вас есть. Собственно, точка отсчета моих размышлений – это книга, изданная в Париже в 10-м революционном году, то есть в 1803 году. Это «Революциониана у анекдот, эпиграмм, эссеи, релятива ля революции». То есть «Революциониана» или «Анекдоты», или «Эпиграммы», или «Соленые шутки, имеющие отношение к революции», изданные у Марадана в 10-м году. Текст анекдотов и шуток, относящихся к событиям 18 века, предваряется небольшим стихотворным посланием, которое логично как-то цитировать по-французски, потому что это игра слов. «Cette Anna ne peut rien offrir qu'on ne déteste, voyez le peur sans dire anathème funeste, sur le titre souvent acteur comme d'Anna, si celui-ci vous étonna, l'Anna lisant vous dirait, je proteste, de ne plus regretter le prix de cette Anna, c'est un très plaisant Anna peste». Обратите внимание на неоднократное использование в приведенном фрагменте латинского суффикса «ана», который обозначал принадлежность, в качестве обозначения целого жанра произведения, которое, как бы, собственно, мы видим, то, что оно и используется в названии текста «революциониана», которое можно прочитать или перевести как обозначение корпуса анекдотов и различного рода малых нарративов, относящихся к революционной эпохе. Вспомним, что во второй главе романа «Нескромные сокровища», изданного в 1748 году, Дени Дидро с изрядной долей сарказма описывает придуманный им роскошный восточный двор короля Эргебзеда, отца принца Мангагула. Я не буду останавливаться на первых годах жизни Мангагула. Детство у принцев такое же, как и у других людей, вплоть до того, что принцам дано изрекать множество прекрасных вещей, прежде чем они научатся говорить. Так сын Эргебзеда, когда ему исполнилось 4 года, дал материал для целой «Манго-Гулиана». Собственно, ирония Дидро воплощается здесь при помощи использования слова «Манго-Гулиана», обозначающего некую сумму мудрых изречений принца Мангагула, произнесенных им в самом раннем детстве и старательно зафиксированных в его окружении. Собственно, в большинстве словарей французского языка как 19-го, так и 20-го веков дефиниция слова «ана» как обозначение жанра давалась довольно стандартным образом. Это книги, созданные в виде сборника острот, а также разного рода занимательных для чтения фрагментов. Современному массовому читателю в равной степени российскому и французскому эти названия, образованы с помощью обозначающего как раз имя принадлежности службы как раз суффикса «ана», так же, как и их содержание, совершенно неизвестно. В предисловии к «Революциониана» указывается то, что Анна долгое время, что называется, спят в пыли в книжных шкафах. И, собственно, как раз и время дать французу книгу, которая могла бы его развлечь, в которой он смог бы прочитать развлекательные подробности о революции. «Le français qui par-dessus tout est marié préféra toujours l'ouvrage frivole qui l'amuse à l'ouvrage utile qui l'ennuie». То есть француз в большей степени предпочтет фривольную книгу, которая его развлечет, нежели умную или полезную книгу, которая доставит ему некоторую скуку. Собственно, сами анекдоты не особенно интересны, они все, в принципе, однотипны. Я процитирую один маленький. Госпожа де Полиньяк спросила у англичанина, видели ли вы, милорд, генеральный штат?
les états généraux. Êtes-vous entré dans les trois chambres? Qu'en pensez-vous? Votre ходили во все эти три комнаты, неужели вот вы там что вы там видели? О, госпожа, ответил лорд, мне кажется, что вся французская знать находится в той же комнате, что и третье сословие. Вот подобного рода анекдотов очень много, они составляют сборник, и обратим внимание на то, что в предисловии к революциониана приведен краткий экскурс в историю жанра. Он и оказывается нашей исследовательской мишенью. Напомним, что истоки этого жанра восходят к поздней гуманистической культуре, и первые тексты Анна были созданы в самом конце XVI века. Ученики известного филолога Иосифа Юстуса Скалигера, который преподавал в Женеве и в Лейдене, составляли разрозненные записи их разговоров с учителем. Таким образом появились Скалигерана или Скалижерана, которая, как и другие ранние Анна, появившиеся в течение XVII века, а именно Тюанна, Перониана, Менашиана, вводят своих читателей в круг почитателей ученого, предлагая участвовать в разговоре и проникнуться живым словом. Собственно, возникнув изначально в гуманистических кругах на волне почитания известного ученого, тексты Анна под влиянием светско-галантной традиции к моменту создания Дидеротовых «Le bijou en discret» оказываются в логике эволюции к сборнику несерьезных острот, которыми завсегдатые салонов могли блеснуть при удобном случае. Изменения, собственно, направленности жанра, произошедшие буквально за три десятилетия, повлекло за собой глубинные преобразования на уровне стиля и содержания. Ирония судьбы в том, что сам Дени Дидро, спустя чуть более полувека после выхода в свет «Нескромных сокровищ», оказался, подобно Мангагулу, сам того не ведая, автором сочинения «Дидеротианал», или сборник анекдотов, острот, шуток, размышлений и мыслей. Он был представлен публике в 1811 году. Вы можете найти это издание в вашей раздаче. Спустя два года, в 1813 году, появилась «Даламбертиана». К этому времени уже все ключевые французские просветители обладали своими Анна. Еще в 18 столетии были изданы Вольтериана. В 1810 году как раз французская публика познакомилась с Руссоана. Все четыре Анна, посвященные Вольтеру, Руссо, Дидро и Даламберу, и созданные за полтора десятилетия на рубеже 18-19 веков, обязаны своим происхождением одному человеку. Составителем сборников выступил литератор Шарль-Ив Кузен, который подписывался псевдонимом Кузен де Валон. Добавим, что в общей сложности этот компилятор составил свыше двух десятков различных Анна, посвященных писателю, а именно Мольеру, Шатебриану, госпоже де Сталь, вы можете увидеть это в раздаче, обобщенным человеческим свойством, например, скупости, которая стала доминирующей темой его «Гарпагониана», текст, который как раз представляет сборник анекдотов о скупости и назван таким образом по имени самого известного мольеровского персонажа. Самого известного фарса «Скупой». А также политикам, в том числе Наполеону Бонапарту. Замечу вам то, что вы увидите несколько Бонапартиана и Наполеониана. Собственно, по названию текста можно говорить о том, кто их создавал. Сторонники Наполеона всегда как раз издавали текст под названием Бонапартиана, а его противники Бонапартиана или Наполеониана. Заметим, что все указанные нами Анна 18-19 века, которые есть в вашей раздаче, содержат указания на анекдот. В то время как тексты 17 и начала 18 века таких ремарок, таких указаний на анекдоты не содержат. Прежде чем разгадать такие метаморфозы, укажем, что последние десятилетия 18 и начала 19 века во французской культуре стало действительно временем концептуализации анекдотического сборника и поистине золотым периодом его развития. В сравнительно небольшой период времени были созданы сборники анекдотов об исторических личностях, о бурмонах вообще, заметьте, пожалуйста, в раздаче, это Бурбониана из второго раздела, о Людовике XVI, о Генрихе IV, отдельно о госпоже де Ментенон, о Фридрихе Прусском. Замечу также российского императора Александра I, это Александр Анна, ou les bons mots, et parole Ренар Кябрь d'Alexandre I pendant son séjour à Paris. О Франклине, отдельно о событиях революции, то есть революциониана. Отдельно о писателях и литераторах, в том числе Маркизе де Севинье, Полис Короне, Жанне де Ла Фонтене, госпоже де Сталь.
собственно, а также о пороках и обобщенных свойствах людей, таких как обжорство, пьянство, скупость. Появились также циклы, связанные с физиологическими проявлениями человека, а также с особенностями поведения некоторых этнических групп или социальных страт. Замечу вам здесь, это самый последний раздел, это гастрономиана. Был даже такой цикл, который очень и очень фривольный, а именно Петериана, Мердиана. И Мердиана пользовалась такой популярностью, что было неоднократное переиздание. Кроме этого, замечу то, что были также и тексты, касающиеся именно отдельных географических локусов и представителей, и людей, которые жили на этих географических локусах. Собственно, довольно забавно то, что сам термин «анекдот» начинает активно употребляться в этих как раз текстах. Потому что напомню, то, что анекдот как таковой, как обозначение жанра, появляется в 17 веке после открытия книги-памфлета Прокопия Кесарийского, текста VI века, неизданного. Само слово «анекдота» обозначало необнародованную информацию. И, собственно, если мы посмотрим на анекдот как на исторический жанр вплоть до 20-30-х годов 18 века, мы увидим долгий, длинный, континуальный, связанный нарратив, который не имеет никакого отношения к прерывистому и дисконтинуальному сборнику анекдотов. Собственно, можно привести в пример несколько таких текстов. Это тексты, например, «Флорентийские анекдоты» Антуана Варияса. Это тексты, «Анекдоты или тайная история атаманского двора» Мари Анжелик Коне. Это текст Исаии Пуффендорфа «Шведские анекдоты». Собственно, довольно забавно диагностировать движение слова «анекдот» и «ана», которое происходит ровно в культуре Франции в середине 18 века. В этом отношении огромное значение имеет текст Севиньяна. Вы можете увидеть его в раздаче, изданный в 1745 году. Севиньяна представляет собой антологию, выборку самых интересных мест из переписки мадам де Севиньи. И мы видим то, что, собственно, уже это один из первых диагностированных мной случаев использования слова «анекдот» применительно к именно к императивному сборнику. Также довольно забавно увидеть то, что слово «анекдот» используется и в тексте Ментонуниана, очевидно, второй раз, который был издан в 1773 год. Мы видим то, что здесь уже речь идет именно о сборнике анекдотов, которые как раз относились к мадам де Ментенон, то есть к супруге, к Франсуазе до Бенье, то есть внучке Агриппы до Бенье, супруге писателя Корона и тайной супруге Людовика XIV. Для того, чтобы окончательно понять, почему это происходит, я обращаюсь к одной книге одного библиографа, Габриэля Пеньо, который был членом Бизансонской академии, и который в своей книге «Филологические развлечения или всякая всячина в разных жанрах» как раз и говорит в самом начале 19 века о том, что вполне возможно, что слово «Анна» — это абсолютно неправильно. Но он об этом говорит. Слово «Анна» является сокращением от слова «анекдот». И вместо того, чтобы говорить длинное слово «менажи анекдота», собственно, редактор или издатель текста опускает ненужные слова и ненужные буквы и оставляет исключительно «менажи Анна». В этом отношении сам факт необходимости этого объяснения как раз и говорит о том, что перед нами с вами фактически уже концептуализация целой традиции. Целой традиции, которая и выражается, прежде всего, в той уникальной формуле, которая была найдена в конце 18 века, а именно «ана у анекдот», то есть «ана» или «анекдоты», которая говорит о том, что перед нами с вами произошла концептуализация дидактического сборника как определенного нарративного типа. Спасибо. Я попробую вложить. Вопрос, пожалуйста. Вопрос. У нас нет времени, когда все-таки по поводу разделения слов. Это чистая амофония. Там нет... На самом деле логика Габриэля Пеньо, который это объясняет, он говорит о том, что это исключительно по сходству произношения. И по сходству, именно в принципе, это именно сходство фонетического произношения. Конечно, на деле, конечно, бы все было гораздо сложнее. Но, тем не менее, для него этот фонетический момент оказался самым важным. Именно через него он показывает то, что традиция анекдота восходит в Франции еще в 16 веке. Ну,
Ну, с вашей точки зрения, это чистое совпадение. Это чистое совпадение. Да? Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое. Библиотека Вольтера была привезена в Петербург в 1779 году. В 1861 году она была передана из Эрмитажа в публичную библиотеку, и ровно через 100 лет вышел ее научный каталог. Je vais traduire pour nos collègues français de petits bouts. Работа над каталогом началась до войны. В 30-е годы ее руководил Михаил Леонидович Лозинский. Владимир Сергеевич Лубинский привлекался к работе в 1931-1932 году, и затем, начиная с 1937 года, когда он занимался описанием комет. В 1949 году, как много говорилось вчера, он был вынужден покинуть публичную библиотеку, однако оставался главным двигателем работы над каталогом. Несмотря на это, в каталоге, изданном в 1961 году, он значится только издательским редактором. Работа, проделанная составителями каталога, огромная и почти исчерпывающая, описывает коллекцию. Мы со своей стороны хотели предложить только несколько уточнений, которые касаются бытования библиотеки в Эрмитаже и в публичной библиотеке. Вместе с библиотекой был привезен ее рабочий каталог, составленный при участии самого владельца, так называемый фернийский каталог. В этом каталоге видно, что библиотека была действительно рабочей. И здесь мы можем найти помету Вольтера. Эти книги стоят в другом месте, «Целивос Монтагерах», без каких-либо других уточнений. Или заголовок рукой секретаря Ваньера, книги «В беспорядке в загородке слева от входа». Livre de Ванжена, в Эрмитаже и в публичной библиотеке также были составлены инвентари, о которых в каталоге 1961 года сказано так. Таких описаний существует три. Два из них составлены в Эрмитаже. Это двухтомная шкафная опись и перечень книг по порядку их расположения в шкафах без даты, подписанная Егором Кёллером. Текст у меня это цитата, а наше фото, как бы иллюстрация к тексту интервью Барвинки. Вот первая страница этой двухтомной описи. И каталог для библиотек де Вольтера 1839 года алфавитный. Вот его титульный лист и первый лист. В 1862 году в публичной библиотеке был составлен еще один каталог. Это «Inventaire de la Bibliothèque de Voltaire et supplément du catalogue alphabétique contenant la table des annexes ainsi que des renvois». Инвентарь библиотеки Вольтера и приложение к алфавитному каталогу, содержащему таблицу приложений. Здесь заканчивается цитата из текста Вольтера. Этот каталог 1862 года, это пошкафная опись, шкаф, полка, заголовок наверху, за которой следует алфавитная роспись отдельных сочинений и брошюр, которые составили искусственные сборники попури. Итак, в преамбуле к каталогу 1961 года перечислено три каталога 19 века, но дело в том, что в Эрмитаже хранится еще один каталог библиотеки Вольтера. Он составлен Александром Ивановичем Лужковым, библиотекарем Екатерины II, и образует первую часть составленного им каталога Эрмитажной библиотеки. Но по наблюдениям, il y a trois catalogues qui sont énumérés dans le catalogue moderne de 1963, mais en fait, il y en a encore autre qui a été fait à l'Ermitage par le bibliothécaire de Catherine II, Лужков, Александр Лужков. По наблюдению Сергея Викторовича Королева, этот каталог содержит немецкие книги из библиотеки Петра III, то есть не мог быть составлен раньше 1792 года, когда эти книги были перевезены из Ренинграда. Баума. И самая поздняя дата – год отставки Лужкова, 1797. В каталоге Лужкова книги расположены в 12 шкафах и пронумерованы по форматным рядам. Это опись, которую Варбанец в приведенной цитате называет самой ранней, имеет водяной знак. Имеет водяной знак 1818, и, как видно из записи в конце ее, составлена библиотекой Эрмитажа Гаэтаном Негрисом. Соответственно, датируется она между 18-м годом и датой смерти Негриса 1831.
Этот каталог почти полностью повторяет каталог Глушкова. Книги идут под теми же самыми номерами. И описание лишь чуть более подробнее. В 1837 году происходила реорганизация Эрмитажной библиотеки. Для вольтеровских книг были сделаны новые шкафы. Здесь ремарка. Очень часто говорится, что шкафы, в которых, когда передавалась библиотека, всегда цитируют это письмо о том, что директор Корф попросил, чтобы библиотека была передана вместе со шкафами. И говорится, что вот это те самые шкафы, которые были изготовлены в Эрмитаже при Екатерине II. Но, во-первых, при этой реорганизации в 1837 году были сделаны новые шкафы, которые видны на вот этой известной акварели Ухтомского 1859 года. Вот. А во-вторых, мы знаем, что те два шкафа, которые вот сейчас стоят в отделе редких книг, в которых всегда хранилась библиотека Вольтера в публичной библиотеке, есть фото начала 20 века, и там те же самые два шкафа видны. Это не те же самые, потому что это большие длинные двусторонние шкафы, а здесь они имеют только две створки, и они односторонние. А теперь о порядке расстановки книг. Книги примерно в том же порядке, какой зафиксированы в каталоге Глушкова, были расставлены в эти новые шкафы и пронумерованы в пределах каждого шкафа. Эти номера были записаны на экслибрисах, наклеенных на форзаце. Олег Митажу, он имел des armoires où les bibliothèques étaient conservées sous Catherine II, et souvent on répète que voici les armoires que nous voyons là, parce qu'on sait que les livres étaient reçus de l'Ermitage avec les armoires, que ce sont les armoires faites sous Catherine II. Mais on sait qu'en 1837, il y avait une réorganisation et il y a des documents qui disent qu'on a construit de nouvelles armoires qui sont totalement différentes de ces deux grandes armoires qu'on voit maintenant. Maintenant, concernant l'ordre du classement. Книги примерно в том же порядке, как в каталоге Глушкова, были расставлены в эти новые шкафы и пронумерованы. Номера были записаны на экслибрисах, наклеенных на форзаце Библиотеки де Вольтер, номер шкафа, номер полки. В 1861 году библиотека была передана, как мы уже сказали, из Эрмитажа в Императорскую публичную вместе с двумя большими шкафами. Это я уже объяснила. Главное, что под этими шифрами шкаф и полка книги числятся и сегодня. Шифр состоит из номера шкафа и номера издания шкафа. Здесь мы должны сделать отступление и напомнить об итоге до сих пор утверждение, что книги в библиотеке Вольтера расставлены в том самом порядке, как они хранятся, как они хранились в Эрмитажском замке. Très souvent, jusqu'à nos jours, on répète que les livres dans la bibliothèque de Voltaire sont conservés, sont classés dans le même ordre qu'ils étaient à Ferney. Однако в каталоге 1961 года можно прочесть, что это не так, что в Петербурге Вольтер оставил книги в соответствии с общепринятым порядком богословия, юриспруденция и только потом история, естественные науки и прочее. Однако эта легенда так красива, что она повторяется снова и снова. Однако если взять любой лист Эрмитажского каталога и проставить напротив книг шифры 1939 года, вот эти самые шифры, то видно, что книги, которые стояли в Ферне вместе, потому что Фернейский каталог, он топографический, оказались расставлены по разным шкафам. Donc, c'est déjà dit dans la préface au catalogue de 1961 que ce n'est pas ainsi, que à l'Ermitage, Vanière avait classé les livres suivant l'ordre accepté, donc l'ordre traditionnel, théologie, ensuite droit et seulement après l'histoire, les sciences naturelles, etc. Mais la légende est si belle qu'elle est toujours répétée, qu'elle persiste. Mais si on prend aujourd'hui comme exemple
un feuillet de catalogue de Ferney, et si on mettait les numéros de ce chiffre de 1839, on voit que les livres qui étaient ensemble à Ferney ont été classés dans des armoires différentes. К вопросу о том, что Вольер их расставил в традиционном порядке. Мне казалось, что вот Вольер привез, расставил, и мы не знаем, в каком порядке он их расставил. А мне казалось, что потом уже хранители Эрмитажа поставили их в соответствии с принятой классификацией. Но понятно, что у них не было для этого ни времени, ни рук. Поэтому, скорее всего, все-таки это действительно был вольер, который просто не стал следовать имевшемуся фрейнистому каталогу, который, где действительно книги идут тематическими гнездами, но эти гнезда, они между собой перемешаны. И, например, есть страница «Histoire et physique», где вот книги по истории физики находятся вместе. Dans la préface au catalogue moderne, on dit que c'est Vanier qui a classé les livres selon le système de classement Garnier-Baudet. Oui, merci. Mais moi, je pensais qu'on ne sait pas qui a fait ce classement qui est fixé dans le catalogue de Lushkov. Donc, mon idée était que lui, il avait placé des livres, nous ne savons pas comment, et ensuite, les conservateurs de l'Ermitage l'ont classé selon le système traditionnel. Mais en fait, je pense qu'ils ont bien raison, les électeurs du catalogue, en disant que c'est bien Vanier, parce qu'on sait qu'il n'avait pas de temps assez de personnel, et que Lushkov a simplement fixé ce que Vanier a classé. Вероятно, действительно, это сам секретарь, который расставил в таком порядке. Все, я мы поделили пополам наше сообщение, потому что Алла расскажет о своем небольшом открытии. Это наше общее открытие, не надо. Хорошо, мы будем спорить отдельно. Да, это, на глазах у публики. Эти книги нашла Алла Златопольская. C'est Alla qui a fait cette petite découverte. C'est elle qui va m'en parler. Donc, просто говоря, я прочту цитату, прочту отрывок из письма хранителя Эрмитажной библиотеки Карла Седлера, который писал Ойбергу маршалу Долгорукому вот как раз к вопросу о том как хранить книги в Эрмитажной библиотеке. Сначала русский перевод, потому что документ написан по-французски. Для поддержания порядка в библиотеке не хватало средств. Помимо отсутствия нужных работников, отказывали даже в самых необходимых расходах. Не было ни шкафов, ни денег на переплеты, ни даже средств, чтобы присваивать книгам номера и их разбирать, что делало смотрение за ними еще более затруднительным, если не вовсе невозможным. Почему-то этот пассаж выпущен из этого письма, который Жанна Константиновна Павлова цитирует в своей книге о Эрмитажной библиотеке. Donc, j'achève ma partie de notre communication et je cite un document qui est une lettre du conservateur de la bibliothèque de l'Ermitage, Karl Sedger, au maréchal de la cour d'Ogoroki. Une citation d'archives, le document a été écrit en français. Il faut avouer que tous les moyens manquaient pour établir et maintenir de l'ordre dans la bibliothèque. Outre le manque des employés nécessaires, on refusait même les dépenses les plus nécessaires, les plus indispensables. Il n'y avait ni armoire, ni argent pour les reliures, ni même pour les numéroter et classer les livres, ce qui rendait les surveillances encore plus difficiles, sinon impossibles. Et je passe la parole à Значит, в 1837-38 годах происходила реорганизация Эрмитажной библиотеки. Библиотекарем Эрмитажной библиотеки был назначен, ну говоря нынешним языком, заведующим Эрмитажной библиотекой. Слышно меня? Слышно. Был назначен весьма энергичный Карл Седжер, а заведующий, так сказать, помощник библиотекаря, который занимался библиотекой Вольтера, сын Егора Егоровича Кёллера, Василий Егорович Кёллер, то есть Вильгельм Кёллер. И при передаче была обнаружена недосдача нескольких десятков книг, что вызвало совершенно грандиозный скандал.
Non, je n'ai pas une voix aussi forte qu'elle a. Donc, pendant la réorganisation de la bibliothèque qui avait eu lieu, comme nous avons dit, en 1937, on a découvert un manque de quelques... Est-ce qu'on a... De quelques douzaines de livres, ce qui a fait un grand scandale. В частности, было... Меня слышно, тогда мы не будем рвать микрофон. В частности, было высказано предложение о замене наследниками недостающих книг, и чтобы у Вильгельма Кюллера, сына Егора Георгиевича Кюллера, вы читали третью часть жалования, все-таки такие суровые меры. Но на это не пошли в результате. Но... On a proposé que les livres soient restitués par les... La famille des conservateurs, les héritiers des conservateurs, sur qui ils avaient disparu. Но к Саверию Лавренскому, консулу в Париже, были отосланы списки книг для пополнения Эрмитажной библиотеки, библиотеки Александра I и библиотеки Вольтера, на которые, естественно, я остановлюсь. Остальных я трогать не буду. Лавренский прислал книги на французском языке для библиотеки Вольтера, а книги на английском языке, как Лавренский передал английскому консулу, и консул прислал книги на английском языке для библиотеки Вольтера. Mm-hmm. Donc on a envoyé des lettres, des demandes au consul russe à Paris, Xavier Lavinsky, des listes de livres pour compléter la bibliothèque de l'Ermitage d'Alexandre Ier et la bibliothèque de Voltaire. Lavinsky les a fait... Lavinsky a acheté les livres à Paris et les livres anglais. Il a fait suivre les listes au consul à Londres et donc on a acheté là des livres pour la bibliothèque de Voltaire. Эти списки имеются и в архиве Эрмитажа, и в архиве Российском государственном историческом архиве. Но в архиве Эрмитажа нами обнаружены списки книг, отсутствующие в библиотеке Вольтера, с пометками, какие книги были куплены в Париже и в Лондоне. Donc ces listes de livres à compléter, à restituer, sont conservées aux archives de l'Ermitage et aussi aux archives d'État, mais les copies de les listes aux archives de l'Ermitage sont annotées par des marques, des indications à quels livres ont été achetés. В списках архива Эрмитажа два типа отметок о покупке книг чернилами и карандашами. Практически все купленные книги каталогизировались в последнюю очередь, и поэтому по новому каталогу 1839 года, которым мы пользуемся, в общем-то, до сих пор, шифры те же, им были присвоены номера последнего 11-го шкафа. Et nous savons que ces exécutrices ont été apposées en 1838 et 39. Donc ces livres qui étaient arrivés en 38 étaient catalogués les derniers. Et donc dans ce catalogue, ils sont dans les dernières armoires, là, la 11e. Значит, в архиве Эрмитажа нами обнаружены списки книг утраченных, с пометами, какие книги были куплены, но они, практически эти списки, полностью повторяют списки утраченных книг, которые имеются при каталоге Нигриса, вот этой двухтомной описи, за исключением вот этих отметок, какие книги были куплены. Ces listes, ils répètent les listes qui sont présentes déjà dans le catalogue de Nigris, des années 20, moins les livres qui ont été achetés. Всего нами выявлено 13 названий книг, безусловно, изначально не принадлежащих библиотеке Вольтера, то есть не изначально, а не принадлежащих библиотеке Вольтера, они были куплены взамен утерянных. Donc on a pu découvrir 13 titres qui ont été achetés pour remplacer les livres perdus. Все они маркированы шифрами, содержащими последние номера 11-го шкафа. То есть самые последние номера. Так, сейчас я...
Да. Начнем с... Значит, я буду рассказывать о нескольких книгах. Конечно, 13 я не могу здесь описать. Это будет сделано... Значит, шифр, 11252. Макфитсон Фингл. Пожалуйста. Значит, рядом с описанием, пожалуйста, вот из архива Эрмитажа, не очень хорошая копия, снимала по, ну, с компьютера. Вот, пожалуйста, куплена в Лондоне и прислана при предписании придворной конторе 22 мая 1839 года. А в Лондоне? Acheté à Londres, excusez-moi, et envoyé avec l'ordre du département de la cour le 22 mai 1839. Таким образом, книга была куплена в Лондоне. Однако, если мы посмотрим список отсутствующих книг при каталоге Негриса, который имеется в нашей библиотеке, мы увидим напротив этой книги надпись «Сэр Труве», то есть книга найдена, а название книги зачеркнуто. То есть заявка на покупку книги была отправлена, в составе списка книга была куплена, а тем временем подлинный экземпляр из библиотеки Вольтера был найден. Dans le livre qui est dans le catalogue des années 20, voilà. C'est marqué, c'est retrouvé. Donc, voilà, c'est retrouvé. L'original, c'est bien retrouvé. И действительно, имеется еще один экземпляр книги Макферсона Фингл под шифром 9274. И это действительно экземпляр из библиотеки Вольтера. Он имеет экслибрис Анри Рью, соседа и друга Вольтера, которому он защищал английские книги в своей библиотеке. Пожалуйста. И вот как раз... Безусловно, это книга библиотеки Вольтера. Второй экземпляр, который, значит, куплен был уже в Париже, это знаменитый «Антидот». Ну, «Антидот» все знаем, да? Да, значит, Фингл, он имеется, ссылка на него в Фернейском каталоге. Это изначально была книга библиотеки Вольтера. На «Антидот» ссылки в Фернейском каталоге не имеется. И вот, пожалуйста, «Антидот». Ну, титульный лист я уже не стала фотографировать. Значит, пожалуйста, это... Примечание. Куплено в Париже и прислано при предписании придворной конторе 27 июня 1839 года. Вуаля. Le fameux antidote, il faut dire que si Fingal de Macpherson il figure dans le catalogue de Ferney, ce n'est pas le cas d'antidote. Et tout ce que nous avons, c'est il était présent donc dans le catalogue des années 20, marqué manque, et on l'a acheté et c'est marqué acheté à Paris et envoyé en juin 39. Значит, это шифр антидота 11258. Следующая книга, значит, книга жанра Traité de l'Opinion. Traité de l'Opinion. Вот, пожалуйста. Куплена в Париже. А что это? Карандашная отметка. Опа. Вот сама книга, владельческая надпись «Дюфье». И надо сказать, что здесь переплет я не фотографировал, тоже не характерный для библиотеки Вольтера. А вот самое интересное. Самое интересное. На второй части первого тома перед форзацем сложен рукописный лист со следующим текстом. Le traité de l'opinion forme, pour être complet, cet volume. Les trois derniers ont été publiés après ceci. On n'envoie que les deux volumes en quatre tomes demandés par la note. Значит, было куплено два тома в четырех частях. Значит, и значит, записка гласит по-русски. Три последних были опубликованы через несколько лет после этих. Последние прислали только два тома в четырех частях, запрошенных в записке. Явно видно, что это бумага 19 века и почерк 19 века. И вот заметка Ларисы Лазаревны Альбиной. К сожалению, плохо видно. Почерк 19 века. И вот видите, заметка. И явно было вот так. Но имеется экземпляр, который принадлежал к библиотеке Вольтера. Это шифр 5231. Так, а то был шифр 11260. Да, второй экземпляр в библиотеке Вольтера. Вот пометы, вот, пожалуйста, закладка с пометой Вольтера. NM, not marginal.
перебью, да? Так, вот три наиболее такие характерные книги, ну, есть еще интересные, но я остановилась на трех. В инвентарных книгах, значит, составленных Николаем Петровичем Басовым в 20 веке, в 1952-53 году, написано 6814 томов. В библиотеке Вольтера 6814 томов фигурирует и в алфавитном каталоге библиотеки Вольтера 1961 года, и в корпусе маргиналей. Но если мы посмотрим, значит, Николай Петрович Басов, он был большой педант, большой аккуратист, и он сосчитал все тома по каталогу 1862 года до составления инвентарных книг. И там числится 6812 томов. И что мы посмотрели на вот эти книги под инвентарными номерами 6812 и 6814. On connaît le chiffre de volume de la bibliothèque de Voltaire comme 6814, c'est dit dans le catalogue de 1961. Donc le chiffre vient de l'inventaire qui a été fait par Nicolas Bassoff en aux années 50, début des années 50, c'est de sa main que tous les livres portent le numéro d'inventaire. Donc lui, il a bien calculé tous les volumes, mais lui, il a donné les chiffres. Et c'est lui qui a donné ce chiffre 6814. Mais dans le catalogue de 1862, il n'y en a que 6812. Значит, рукопись под инвентарным номером, посмотрим вот эти две книги, 6000, инвентарный номер 6812 и 6814. К сожалению, фотографии я не делала, чтобы сократить время. 6813 инвентарный номер, это рукопись. Но если мы посмотрим на эту рукопись, это явно 19 век. Как Лариса Лазаревна это просмотрела, то ли ей надоело, как говорится, это все смотреть. Но это рукопись 19 века, пьеса Лопе де Вега, комедия Фамоза. А 6814 – это печатное издание Бельмонте Бермудес, тоже комедия Фамоза. И здесь указано в каталоге, что есть пометы Вольтера, но карандашные пометы Ларисы Лазаревны Альпиной на каталоге написаны не Вольтер, не В, не Вольтер. То есть это явно... Les deux livres sont les pièces de Lope de Vega. Mm-hmm. Ah, есть вот. Et l'autre, Бельмондес. Таким образом, мы знаем, что впервые нами выявлено, что книги покупались взамен утраченных в Николаевское время, когда сама библиотека, парадоксально, сама библиотека Вольтера была закрыта для посетителей. Ну и вот две книги уже имеются, значит, в алфавитном каталоге, раздел книги, не входящие в библиотеку Вольтера. Книги ошибочно атрибутированные, как входящие в библиотеку Вольтера. Это книги, ошибочно попавшие в библиотеку Вольтера еще в 18 веке. Это книги библиотеки Петра III, Щербатова, библиотеки Дидро и книги, которые не могли быть в библиотеке Вольтера, так как вышли после смерти Вольтера. Ну, а вот так вот. Вот. И вот еще 15 книг, которые, в принципе, не относятся к вольтеровским. Но из фактов, которые мы привели, ни в коем случае не следует, что библиотека Вольтера не представляет собой аутентичного собрания. Речь идет только о том, что границы вольтеровской книжной коллекции остаются несколько размытыми, и работа по их уточнению продолжается. Спасибо. На этом... Я подумала, что просто место наше писание хотела как раз писать, чтобы не Вольтера в рукопись, как раз сказала. Нет, нет, там рукопись в рукописях, там же рукопись в отделе рукописи, а это как печатный текст. Там написано не Вольтер, насчет помет. А насчет рукописи я не знаю, как она называется, почему. Это загадка, да. Но мы показывали Наталье Алексеевне Лагину, у нее вот такие вот глаза. Да.
Merci de cette très belle contribution qui prouve que la bibliothèque de Voltaire n'a jamais constitué un ensemble figé. C'est quelque chose qui a cessé d'évoluer à travers le temps et de se renouveler. Moi, j'étais, je crois, pas d'artiste, simplement pour le problème du classement, la différence entre Ferney et Saint-Pétersbourg. Je crois qu'il faut tenir compte du témoignage de Jean-Louis Bannière. Grimm lui demande le catalogue de la bibliothèque. Le catalogue lui sera remis, mais Bannière dit « Ce catalogue de Ferney ne vous sera pas utile parce que la bibliothèque ne correspond pas du tout à ce catalogue parce que Monsieur de Voltaire l'a bouleversé deux ou trois fois. Le catalogue est de 1776 et Bannière écrit en 78. Et entre 76 et 78, Bannière explique que Voltaire a bouleversé trois fois sa bibliothèque. Et pour avoir édité la correspondance de Bannière, je vois très bien le problème qui est le sien en 1778. Pourquoi abandonner Garnier-Naudet et revenir à la théologie? Il est confronté à une infinité d'occupations, dont l'inventaire, par exemple, de tous les meubles du château, une immense succession qu'il faut liquider. Et il lui faut emballer la bibliothèque. Quelle est la solution? Il prend les livres les plus proches. Et les livres les plus proches sont les livres de religion. Donc de la caisse numéro 1, la religion, ce n'est pas un parti pris de classification, retour à la théologie. Donc il commence par ça, il revient mais par... Ensuite, théologique, mais ensuite, et si vous dites qu'il va par le classement physique, oui. Topographique. Oui, 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 tout à fait, je crois qu'il procède comme ça, il doit aller très vite, il emballe très vite dans 12 caisses les livres, en tenant compte du format aussi, il y a des grandes caisses et des petites caisses, donc les in-folio, il les classe en dernier, parce que les in-folio tiennent la bibliothèque, c'est plus logique de commencer par le haut. Mais Alain de Blavet, il n'était pas classé par d'abord théologie, ensuite histoire, ensuite... Non, non, mais il faut faire attention au catalogue. Le catalogue, la classification, il y a classification et classement. Le classement est désordonné, mais la classification du catalogue a elle-même évolué en 3 ans. Ce n'est pas la même chose. Le rayon de histoire devient histoire et physique. Et puis finalement, on n'a ni histoire ni physique. On a des ouvrages d'anglais ou autre chose. C'est très compliqué. Et en plus, il faut tenir compte du fait, je crois, très important, c'est qu'il y a 3 ensembles de livres. L'un qui est celui de Ferney, l'autre, les livres de Ferney qui sont à Paris, et un troisième qui vient se rajouter seulement en février ou mars 79, les livres de Rieux. Donc, Bannière se trouve confronté à 12 caisses qu'il a dû empaqueter très rapidement avec Ferney, les caisses qui arrivent de Paris à Francfort, et puis la dernière caisse qui est les ouvrages de Rieux, qui ont nécessairement été emballés après les autres, à partir de mars. Je dois traduire. C'est compliqué. Mais il y a trois. C'est pas en place. Спрашивал у Ваньера, есть ли каталог в библиотеке. Ваньер отвечал, что есть, но он ничем не поможет, потому что господин де Вольтер в последние годы жизни 2 или 3 раза полностью менял порядок расстановки книг. Вот. А последнюю часть я не поняла, тут уже мы не можем вступать в дискуссию, тем более ее переводить. Я совсем не поняла идею Кристофа насчет того, что у него не было времени, и поэтому он классифицировал книги. Je peux que ça je n'ai pas. Ну, on va en parler avec vous après, что из-за того, что у него не было времени, книги оказались классифицированы по предметам. Потому что расставлены они как раз были довольно-таки в перемешку. Да, и еще это, по-моему, отдельная проблема, которая заключается в том, что книги были в разных местах, в Ферне, в части Парижа, и еще часть, которая была у нее английские книги, которые вообще тоже
поступили. Ну так и тем более, действительно, действительно, начиная примерно с середины каталога, там уже начинается полная мешанина, может быть, с этим связано. Инна Ивановна, вы, по-моему, что-то хотели сказать еще до того, как Кристоф взял слово. Тогда есть еще вопросы или с нашими каталогами? Скажите, издание «Антидота» — это амстердамское или петербургское? А нету никакого петербургского. Есть издание, на котором написано «Амстердам», и считается, что это Петербург. Там написано «Амстердам». Да, написано «Амстердам». Да. Коллеги, если нет вопросов, то значит, осталось три у меня. Чисто, Madame, les deux livres qui se trouvent à Tsarskoye Selo, le Fénelon et la tactique de Guibert, ont nécessairement été retirés de la bibliothèque de Quimper, mais on trouve un nouveau Fénelon, on trouve les méditations métaphysiques dans la bibliothèque de Voltaire, ici. Est-ce que vous en avez tenu compte dans vos statistiques? Parce qu'il y a nécessairement deux livres qui sont sortis. Non, parce que nous lisons sur le livre, selon le catalogue, 1839. Oui, voilà. Et selon une super entreprise de la bibliothèque. Deux livres qui ont été trouvés dans le Tsarskoye Selo.